La musique, je vais pouvoir la stopper. Ah! Il est encore en train de se préparer, petit Seb. Oh mon Dieu. Aurais-je anticipé son arrivée? Peut-être. Voilà. Alors, où es-tu? On va aller dans les étoiles. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue! Bonjour. Ah, ce pseudo. Joint 2, voilà. Je vais t'appeler Joint 2. Bonjour et bienvenue. Oui, ça va. Alors, c'est la petite forme. C'est vrai qu'on se disait entre nous qu'on n'était pas frais. Mais merci, bienvenue. Non, mais j'attends petit Sep qui, en fait, qui héberge le serveur. Mais à mon avis, il est en train de prendre son petit déjeuner peinard. On va pas le bousculer. J'ai déjà avoir indépendamment. Pardon. Indépendamment mon perso. Comment ça, nouvelle quête? Oui, je voudrais bien devenir un chasseur de primes, mais c'est un peu tôt pour moi là. Oh là là là. Wouah! Ça, c'est Petit Seb qui m'a mis des créatures dans mon vaisseau, mais c'est n'importe quoi. Regarde là. Oh, le bordel. Je m'habille comment aujourd'hui? Oh là là, il y a des trucs. Pardon. Oh! Tenue de pirate. Une tenue de pirate. À plus, Ronnie. Bon week-end, bon courage. Merci d'avoir été là, Ronnie. Oh merde, faut que mon perso mange. Va manger de la banane au chocolat. Train de m'apercevoir que même dans mon verso, en fait, j'ai pas de musique, j'ai pas de, parce qu'il y a des dispositifs musicaux, et là j'ai que Puig, c'est triste. Je peux pas mettre de l'ambiance. Et le bonjour. Bonjour petit Seb, je devine que tu arrives. Oh mon Dieu, le glaçon sur mon bar, j'avais oublié. Un glaçon vivant. Ah Un glaçon vivant. oui. C'est flippant. Pardon, je vais me moucher un coup.
Ah, après, je vais... quelqu'un qui joue de la trompette. De la trompette. C'est vachement bien. Oui, pardon, j'ai pas eu la pudeur de couper le micro. Je vais voir. C'est tout. Bon, moi, de mon côté, je suis sur le jeu, du coup, tu peux... C'est quand tu veux. Ouais, rejoindre le serveur, bah oui, avec plaisir. Parlons. Comme un samedi matin, abruti que je suis sur la fenêtre de jeu alors que j'ai cliqué sur la fenêtre de serveur. Ah, tout va bien. Voilà, rejoindre la partie. Ah. 25 tickets, c'est ouf. J'ai le mini drone. Je suis en train de vérifier tout ce que j'ai acheté dans la station du chasseur de primes. Alors moi je vais relancer parce que mon téléporteur est vierge de toute destination, ce qui est pas normal. Bah parce que tu m'as pas rejoint. Ouais, pas de là en fait. Dans l'interface je t'ai rejoint mais... Ouais ça là c'est ta partie en solo. Rejoindre la partie. On y croit. Ah oui, non. Oui, t'as lancé une demande pour que je te stream. Voilà. Merci. Au revoir que je démarrais le... Oh, l'aménagement, oh, j'ai même pas fini de construire mon toit. Oula. Ah bah je sais par quoi j'ai commencé ce matin. Miggy. Alors je précise, hein, comme on disait avec Nash tout à l'heure, constat du matin, petite forme. Moi j'avoue que je me sens un peu dans les vapes. Je présume que ça va aller mieux les heures passant, mais là c'est vrai que je démarre diesel. Hein. Wouh. Mon cerveau est pas top méga gros. Tu mets les gens sur ton chat qui disent salut et au revoir. Bah non, salut, je suis toujours là. Oui, mais le pauvre Ronny va devoir partir. Je crains qu'il y en a qui ont la malchance de travailler ce matin. C'est ça, un jour férié. Ah, voilà une jolie averse. Ah merde! Ma nacelle de métro qui est même pas là! Que signifie? Pardon, j'ai pas arrêté de bailler là. Oh, c'est horrible. Moi j'arrive dans la troisième ou quatrième station spatiale des chasseurs de primes là, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est par là. Oh, une cible. C'est bon. Si je trouve toutes les cibles et que je les pète, il y a un cadeau. Mais il y a encore des trucs de fou à scanner. J'ai chaque bord.
plus triste, le frigo il est même pas vidé. C'est quoi ça? Ah, le mec, il y a carrément un marchand qui oui. te vend les directement les meubles du Peacekeeper avec des contre des pixels. Ah, intéressant. Ils ont le même fournisseur. Intergalactique. Oh, ils vendent le synthétiseur de l'espace, c'est un instrument musical. Oh, ça faudra que je te le montre, mais je vais peut-être pas l'acheter tout de suite. Oui, ça n'a plus tard, c'est pas grave. Laser caster, c'est quoi? Un canon à protons. Wow, tu dis des choses qui éveillent ma curiosité. Construit pour faire de la justice bien, du devoir de justice bien lourd. Ok. Wow. Pourquoi pas, hein? Bon, ça c'est les chiottes, j'en ai pas besoin. Ah, okay. Mais j'avais pas vu. Donc c'est bien ce que je pensais. Il y avait trois cibles de cachets et ça ouvre un compartiment avec deux coffres de l'espace là. Attends, faut que j'y ouvre ça là. Ça va pas. Des pixels. Un peu de pixels et des composants pour le mecha. Alors, lui d'abord. Après, comme c'est des armes spéciales, t'as pas le nombre de dégâts, alors tu sais pas si ça fait vraiment mieux que ce que tu as toi. Ah oui. Bon, on va se balader entre étoiles glacées. Ça me plaît pas trop parce que ça va commencer à être plus compliqué à explorer. Ah. Mais c'est pas grave, on est parti. Alors, ressources de bois. Que je finisse mon toit. Je vais pas arrêter. Hein. Je suis désolé, mais là mon cerveau est en mode non. C'est je baille. Moi c'est pareil, je me suis couché à 1h30 là. Ah non, moi je vous ai quitté, il était 23h je crois. Je suis endormi à 23h30. Ah, par contre, j'ai entendu un crétin qui gueulait devant chez moi à je sais pas quelle heure de la nuit. En plus, c'est pas comme si j'avais tempête. Je me demande s'il gueulait pas par rapport à son chien qu'ils avaient perdu. Et il est là, le clébard. J'ai entendu un truc comme ça. Il a pas dit, il s'est envolé, oublie-le. Ouais, c'est ça. Non, mais ce qui me bouffe, c'est les individus sans gêne qui se croient seuls au monde. Le reste n'existe pas et ils savent pas qu'ils enquiquinent le monde. Ils se mettent à gueuler en pleine voie publique la nuit. Ça me dépasse. C'est bizarre. Allez, une quête de terminée. Enfin bon, bref. Alors, je vous ai prévenu, c'est dans le titre ce matin, c'est tryhard.
Parce que la quête de chasseur de primes, elle est longue. À chaque fois, t'as un groupe de primes, un groupe de primes, un groupe de primes, jusqu'à ce que t'aies tout fait et assez fait pour atteindre le chef de mission avant de passer à la suite. Alors c'est sympa, ça te fait voir plein de trucs, il y a plein de trucs intéressants, mais c'est quand même long au bout d'un moment. Quand tu vois que je suis à la quatrième base spatiale, tu te dis... Je crois que je suis descendu de la mauvaise façon. J'arrive, je tombe sur des bandits. Eh les mecs, faut pas vous croire chez mamie là. Oh, 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 oh. Il y avait un monstre avec le chapeau du temps. Je n'ai plus de voix. T'en utilises trop. Bah, je vais jouer des bûcherons. Je vais jouer des bûcherons sous la pluie, à mon lieu. Ah, viens là, l'oiseau! J'ai pas fini de te pulvériser. Ça, c'est la poudre que pour lui on a un œuf. Un nouvel insecte que j'avais pas. On roule ma poule. Nice. Oui, je repensais à oui. Ton fight là. Quel combat? Dans l'arène de Nulu. Oh mon dieu, j'avais déjà oublié. Tu voulais avancer et je disais, il serait peut-être temps de faire la dernière armure. Ah, c'est vrai que je ne l'ai point. C'est vrai que je suis sous-catégorisé par rapport à toi. J'ai pas fait toutes les évolutions, c'est vrai. On joue mais pas dans la même division, petit Seb. Que je sache et que je me rappelle, il doit te manquer juste la dernière. Je crois. Mais la dernière, c'est la plus compliquée parce que. Et c'est pour ça que moi, je te l'ai pas faite. C'est parce que tu dois choisir entre. En fait, t'en as plusieurs. Oui, est-ce que tu veux de la défense, de la défonce ou de l'énergie, ouais. C'était les trois catégories, je m'en souviens, tu m'avais expliqué. Cent 40 pixels dans une caisse, je prends. Hache à vendre. Bon, faut que je descende. Oh, ben je le prends, hein. Plus simple. Ah merde, je me mets dans la nacelle de métro, il n'y a plus que pluie et j'ai pas l'air con. Arf. Dommage. Ah, Midoum. Puis dans l'inventaire, j'ai plein de... Ouais, j'ai plein de bouffe. Non! Oh, j'ai fait des choses contradictoires. Merde, je croyais que j'avais un téléporteur ici. Tiens, c'est bizarre, j'avais gardé une image d'un... Mais non, en fait. Oh, je suis tristesse.
Alors, le miam. On met point de chaîne chez le sage quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Ah Mon oui, Dieu. moi aussi il faut que je mange. Non, je disais que je prenais mes points de chaîne chez toi. Ah. Oh là là, mon Dieu. C'est à vendre. Ça, c'est à vendre. Ça, le stocker là pour Edge. Stocker plus tard, j'ai de la place et ça aussi. Maintenant, il va falloir que je descende à la base pour stocker les. Pour vendre les fruits et légumes que j'ai récupérés, histoire que ça pourrisse pas. Quel est ça? Ah. Alors la musique elle est sympa de ce dispositif de musique machin, mais alors la radio elle est beaucoup plus Ma canne à importante. sucre a disparu. Comment ça la canne à sucre a disparu? J'avais un plant de canne à sucre et il est plus là. Bah. C'est très bizarre ton histoire. Après je l'ai ramassé, j'ai tout rangé sans faire exprès la dernière fois. Il y a eu autre chose, mais bon. Oula, 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 ça lag. Qui lag? Attends, excusez-moi. J'attends que ça se dégèle. Alors, pardon, hein, c'est moi, hein, qui lag. Je sais pas, mon ordi me fait un caca nerveux. Pourtant, j'ai pas la diode disque Ah, je t'ai dur même qui entendu fume en laguer sur façade. Discord, maman. Ouais, mais c'est pas normal. Là, je comprends pas. Mon ordi devrait pas. On entend la musique de Starbound. Il fixe. Alors que je devrais avoir des animations. Est-ce que c'est moi qui bug? Peut-être pas, non? Non, je pense pas. Non, OBS, test normal. Bon, bah, je suis désolé pour le moment de flottement. J'attends. Tu m'entends toujours normalement? Oui,
Bon, bah, c'est un point positif. Moi, c'est extraordinaire. J'ai mon star qui est figé. 1, 2, 3, soleil. J'entends la musique de déclencher au, là, la radio asiatique. Là. Et plus rien. Image fixe pour Starbound. Je suis désolé. C'est bon, c'est, ça lui a pas plu. Écoute, d'autant plus que j'aurai la lumière en façade de contrôle. Mon ordi me dit alerte. C'est rouge fixe. Ça carbure à mort, je comprendrais. Sauf que c'est pas le cas. Alors ça bouge, mais normalement, de mon côté. Je comprends pas. Pourquoi ça l'aille ? Ah, il est vrai qu'hier soir, j'ai fait tomber dans toute la nuit une analyse antivirale Windows. Est-ce que ce serait pas le Windows qui commencerait à faire suer parce qu'il est dans les répertoires de jeux ? Ah, peut-être. Je vais peut-être devoir mettre en pause ma... Excusez-moi un moment de... Oula, même le curseur de souris. Oui, c'est vrai que j'avais mis ça. Ah oui, puis comme ils sont débiles... Microsoft, ils savent pas programmer la pause dans une analyse virale. C'est tu peux qu'annuler. Ah bah d'accord, lui il me dit que j'ai plein d'erreurs graves avec des chevaux de 3. Alors d'où ils sortent les chevaux de 3? Je sais pas où est-ce qu'il m'a trouvé des chevaux de 3. Oh là 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 là. Ce qui est évidemment une alerte grave. Caché, c'est ensuite que je redémarre l'ordi, je vous abandonnerai pendant 20 minutes. Ah, c'est le samedi matin, qui veut pas? Je sais plus si j'ai replanté le blé ou pas, oui. Du lait. Oui. Bonjour Torota, comment que ça va? Comment je fais du joli bois? Ça va bien, c'est cool. Ah oh là là. J'ai envie de dire, je te souhaite d'être en meilleure forme que moi. Parce que moi, ce matin, c'est la petite forme. Malheureusement. C'était pas à base de bois brut que je faisais la texture souhaitée. J'avais dit que je me mettais full catch chasseur de prime, mais là je suis plutôt en train de faire de la cuisine du coup. Ah. On va dire qu'il y avait un besoin.
Oui, Torota, concernant Raft, on le fera plus tard. J'attends le top départ Deux de mois. Edge, j'ai envie de dire. C'est terrible, hein. Je confonds Edge et Petit Seb, ça devient chiant, je suis désolé. Oui, pour le. Oui, voilà, je te Je le laisse prends comme un expliquer. compliment. Je te laisse expliquer. Ouais, c'est tout simplement parce que moi sur Starbound, en fait, il me reste une chose à faire que j'aimerais finir, c'est les quêtes de chasseurs de primes. C'est pour ça que je tryhard ce matin, en fait. Après, je verrai, parce que si c'est juste pour les quêtes de chasseurs de primes, vu que je les fais de mon côté, peut-être que dans la semaine, je referai un stream dessus, histoire de les finir s'il faut. Et puis, comme ça, potentiellement, samedi prochain, on pourra commencer Raft. On verra. Mais je tiendrai au courant dans la semaine, quoi. Okidoki. J'arrive même plus à faire cette texture de bouée. Attends, je vais déverrouiller les trucs parce que je sais plus jouer. Mais c'est pas ça qu'il me faut? Non, je sais plus. Oh, je sais plus, c'est horrible. Mais non, il me dit que c'est nouveau, donc ça veut dire que je l'ai jamais fait. Ah, c'était les bûches brutes que je posais carrément. C'est pour ça que je me dis c'est bizarre, je retrouve pas la transformation. C'est parce qu'il n'y en a pas. Ce serait des bûches brutes. Ah ben voilà, il sait plus ce qu'il fait. Ah non, mais c'est catastrophique. Ah, je vous dis, ce matin, là, mon cerveau, il est mal allumé. C'est d'une tristesse. Oh, t'inquiète, Torota, si je le fais, c'est parce que j'en ai envie. Puis ça me donne une excuse pour tryhard aussi. Hihihi. C'est quoi cet arbre? C'était pas un arbre, c'était une plante. J'ai des fibres lumineuses du coup. Bonjour les chercheurs, je prends vos pixels, salut! Ah, voilà, mon toit n'est plus éventré, j'avais suffisamment de ressources. Ah, je me sens mieux, ça fait plaisir. J'essaie de poser lustre, mobilier, etc. Ah, faut que je fasse un truc. Il y a un truc que je fais. Ce serait dans mon vaisseau ou j'ai pas de. Téléportation. Putain, mais moi le fond de mon vaisseau, c'est une vraie animalerie avec tous les petits machins pacifiques que je rapporte là. Salut, 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 salut. Oh, bonjour Olive qui tue. Oh, que je suis heureux de te voir. J'espère que tu vas bien. Salut Olive. Ahmed, premier lancer de pêche, pédu. Chez Cruel. Oh, bien content de te voir. Et visiblement, c'est le cas aussi de Nashevman qui est tout sourire dans le chat. On est content de te retrouver, Olive. Ça, c'était des nouvelles portes. Ok.
Oh, un diamant dans le coffre, merci. Un diamant dans le coffre. Alors j'ai de ces luminaires là, moi, qui me restent dans le vaisseau. J'ai une station de blue blue. C'est un distributeur d'eau. Ah oui, j'ai des chiottes en bois. Ah, il me reste une gazinière. Waouh. Je vais peut-être installer ça dans mon petit logis. Ça va, grâce mat. Ah, c'est beau. Bah oui, ça t'arrive malheureusement que trop rarement. Oh, je suis ravi pour toi, Olive. Vive les jours fériés. Il faudrait que je replante mon riz. Sans que j'ai gagné des graines de riz. Là. Ce serait dommage de ne pas les rentabiliser au sol. Avec la terre fertile. Non mais c'est pas grave. T'inquiète pas, Olive. Rien que le fait que tu te sois manifesté à nous et puis que tu nous dises que t'as pu faire une grasse mat, t'as pas idée à quel point je suis ravi pour toi. Je suis... Voilà, fais comme il te plaît, Olive. Mais c'est cool, là, déjà ce que tu nous as témoigné. Sois pas désolé. Bah oui, profite de ton petit déj, sois peinard, Olive qui tue. Pense bien qu'on te souhaite le meilleur. Parce que c'est chaque beau. Youhou! Ah non, j'ai pas d'autre lumière. Bon bah attendez. Mais putain, j'arrive même plus à. C'est dire mon état. J'arrive même plus à jongler avec la bonne interface du jeu. Si je vois mon inventaire, je lance le je sais pas quoi comme interface, enfin bref. Pardon. Nash qui s'imagine persécuteur. Mais non, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Moi je veux faire des cacahuètes. Moi, il faut que je crée une discothèque intergalactique. Navré de vous décevoir, mais point de fouet par ici. Sauf si Nash est de passage, il pourra éventuellement vous prêter le sien. Mais on l'a pas vu depuis un petit moment, il ne vient plus aux soirées. Ah mon dieu, il a déclenché un son. Je crois que tu viens de te prendre un coup de fouet. Symboliquement. La 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 la. Non, il faudrait que je me fasse un beau chandelier pour le grenier. Ce sera trop stylé. Faut que je tue Mick. Ah bah il est là. Tiens, prends ça dans ta tronche. Et ça, et ça. Ah bah tiens, t'es mort. Oh bon, bah je repars. Hein. Je descends sur la planète, je tue le premier mob que je croise et je repars. Oh oh oh. Ouais. Oh, c'est deux fois le même. Je dois avoir une araignée au plafond. Wow, il me proposait de concevoir une table en os, de trucs bien gore, bien mort. Ah mais moi j'adore tout ce qui est biome os dans les jeux. Mmh. Non, j'ai, oh, c'est glauc, mais c'est toujours assez stylé, je trouve. C'est particulier, effectivement, on va pas se mentir. Alors,
J'ai des affaires à retrouver dans une grotte, dans une planète, moi. Souvenez-vous que j'étais mort comme un caca. Alors que je recherche mes touches de jeu. Oh là là, là c'est une misère absolue. Alors, j'avais fait un petit drapeau. Et j'avais revu mon ralenti. Un collier qui rend votre animal pacifique. Ouais, mais du coup, c'est moins intéressant. Hein. C'est moins intéressant, du coup, s'il se fight pas. Ouais, je les connais, ceux-là. Mais je le garde quand même pour ma collection. Le collier qui rend neutre. Alors, je disais, j'ai regardé mon ralenti précédent, j'ai eu le temps en semaine, et je me suis aperçu que j'étais mort pas très loin de la surface de la planète. Pourquoi ? Parce que je pouvais observer au plafond des racines champignons. Ce qui veut dire déjà que j'étais dans un rare biome champignon. Quelque chose me dit que j'ai pas la bonne arme. Non, c'est encore un endroit avec un code. Oh là là. C'est horrible. Je peux être l'homme qui peut bâiller pendant une demi-journée, qui bâille tous les quarts d'heure. Et là, ça va être mon cas, je pense, jusqu'à midi. Je vais pas arrêter de bâiller. Ah non, c'est des végétaux classiques. Dommage. Ah, un coffre. Oh, un coffre que j'avais pas fouillé. Tiens donc. Il y a du charbon, on va pas s'en priver. Merde, j'ai déjà les crocs. Une station électronique, j'ai une station médicale dans mes trucs, mais j'ai pas de station de nourriture. Ah, racine champignon. Et je suis mort pas très loin d'ici, normalement. Donc avec un peu de chance dans l'heure, je vais retrouver mes affaires de mon décès de il y a une semaine. Ça serait cool. Tu m'étonnes. Parce que j'ai perdu pas mal de matos, je crois savoir. Je vois qu'il y a des coffres, mais ça correspond pas à l'endroit de mon décès. C'est ça qui me dérange. Bizarre autant qu'étrange, comme dirait certains. Ah. Étrange cavité. Non, là j'ai une poche d'eau, mais c'est pas ça. Ah, ça aurait pu être là, mais manque de bol.
Waouh! Ah ouais, génial, le coffre qui était... J'ai failli me faire avoir par l'eau. Il n'en était pas. Non, mais l'eau qui recouvrait en fait le coffre qui me faisait face. J'ai pas vu que j'étais... Puis un coffre qui était généreux en contenu. J'ai encore récupéré un manipulateur de matière qui ira à EJ. Enfin, qui reviendra à EJ, pour parler français correctement. Et merde, je le one shot. Quand je passe avec le mecha, ça se voit, hein. Il pourrait trouver des meilleurs codes, hein. C'est pas très sécurisé tout ça. Ouais, c'était 80 à la suite, c'est ça. Oh. Après, t'auras 1, 2, 3, 4. En fait, à chaque fois que je trouve une serrure à code d'un méchant, je vais essayer 4-1 à la suite, je pense. Oh mon dieu. C'est un coffre à fun fan, ça. Ah ouais, d'accord. J'ai dû avoir un résidu d'une mauvaise extraction où il restait un morceau d'argent au milieu de nulle part. De voir également du pétrole, ça me parle. Pardon, j'ai pas eu la pudeur de couper le micro. Ah, Buck. Buck. I'll be back. Ouais, c'est ça, on y croit. Utilisation de carburant en masse, mais vu tout ce que j'ai trouvé dans la base la dernière fois, j'ai tout trouvé plus de 3000 quoi.
entendant bien, il y a une base de cette station de bouffe là. Là, il m'a fallu 3 quarts d'heure pour chasser tout ça. Oh. Là, il faut que je fasse une deuxième vague. Et ensuite, j'aurai le boss de cette station. Ah, oh, moi, je trouve des richesses à droite, à gauche. Là où je me trouve. Il y a un peu de tout, c'est beau. Je pense que là j'ai trop descendu. Faut que je reprenne d'altitude, là je suis trop en profondeur. Alors attends, je vais récupérer de l'énergie en mangeant un bon morceau. Allez, si je peux être au taquet niveau bouffe, ce serait bien. Oh, les cracheurs de pétrole! Les vilains, les brigands! Les cracheurs de pétrole? Ouais, je sais pas comment te les décrire. Ils sont tout gélatineux, bon. ils ont qu'un seul œil rose. Et ils te balancent des boules de pétrole pour t'engluer et mieux te patater derrière. Des patateurs de l'espace. Déjà. J'ai trop de fibres. T'en veux, tu le dis, hein, j'en ai 3 stacks. Moi j'ai pas perdu, ça se range dans des containers, ça. C'est toujours une précieuse ressource, on en fait des choses avec les fibres, on en fait des bandages, on en fait du textile. D'ailleurs, je ne sais plus si on en fait pas un peu de cuisine. Ah non, les sushis c'est avec des algues, je suis bête, c'est pas pareil. Oui, j'ai un appareil de terraformage aussi. Oh, il est trop puissant, petit Seb. Ouais, j'ai juste chopé ça dans... Mince. Dans des mondes interdits, avoue-le. Non, tu sais, j'avais refait un volt, là, tu sais, un gros coffre là avec la clé. Ah oui. Oui, les portails des anciens, je sais pas comment on peut les appeler. Ouais. De l'essence antique. Voilà les mines de la galaxie Starbound. C'est en faisant ça que je l'ai eu. C'est ça, que bon. Ok, c'est parti, seconde vague de chasse aux méchants. Moi j'ai du patatage en règle aussi de mon côté. J'ai de la populace. Heureusement que j'ai un bon niveau. Enfin que, entre guillemets, eux sont faibles. Qu'on s'est quand même bien équipé au fur et à mesure de l'aventure, tu veux dire. Oui, là on est confort là. Une planète alien, allons voir. Chic planète.
dans un champ de chez. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, non, j'ai beaucoup moins. J'ai quoi? Médical. Oh! Comment ça? Oh! Bah, tu sais, les stations spatiales. Mmh. On avait vu la médicale, on avait vu la nourriture, on avait vu l'électronique. Je viens de tomber sur une station spatiale pour les armes. Et sur le coup, j'ai très très envie d'aller faire un tour. De me stuffer encore plus. Un jour, nous trouverons la station intergalactique de Nash. Il y aura toute une collection de fouets à vendre. Je raconte et n'importe quoi. Ce sera ma guerre, pardon. Là, ça fera surtout plaisir à Mamie Nova de l'espace. Ça fait l'objet d'un clip, souvenez-vous, où je la fouette tendrement dans le dos. Ah, je crois que j'ai dû débrancher mon cerveau ce jour-là parce que j'avais pas le souvenir, mais vaut mieux pas. Oh, tu le reverras bientôt. Ah non, 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 je veux pas. Je veux pas le voir. Oula, 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 il faut que j'arrête de sauter comme ça, moi. Je vais finir par dévisser et me tuer. Lui. Pire pigeon. Alors, une quête de fête. Ensuite, la station spatiale. Pour les armes, j'ai hâte de voir ça. Mmh. Non. J'ai cru voir du diamant incrusté dans le mur. Attends, voir que je me fasse de la bouse pour monter dessus, là, parce que c'est un peu haut. Ah, terrible subterfuge. J'ai cru à du diamant. En fait, c'était le pompon d'un ennemi qui m'a induit en erreur. Tel un poisson des abysses, là, vous savez, ceux qui ont la petite diode devant eux. C'est horrible. C'est affreux. Attends, je vais improviser un tunnel, là, parce que j'ai du mal à progresser dans la planète. Bonjour, bonjour, c'est ma première fois dans une station pour armes. je crois que celle-là de machine de vente, je l'ai pas. Là, je prends. Je prends. Et la manière. Ça, vous avez que des coffres vides là. Vos armes, elles sont où? Oh, il y a des cibles, ils ont un stand de tir, c'est cool. Je me demande si on a grandi assez notre propre station, si on peut avoir les revendeurs pareil chez nous. Bah, les revendeurs, je crois que tu peux les provoquer à venir chez toi partout. Avec les dispositifs de colonisation, là. Quand ils disent il me faut un toit, un lit, et je viens.
avec le petit pupitre électronique. Et ouais, non, mais je parle, moi, des... Il peut y avoir des vendeurs dans le lot. Les revendeurs des stations, là, ceux qui t'échangent les parts médicales, les parts machins. Ah, là. Oui, les spéciaux, oui. Bon, alors là, il faut se rendre dans chacune des stations orbitales. C'est pour ça que je les enregistre, mais... Bon, échec, j'arrive pas. Je disais, je me demande si on peut les avoir dans notre propre station. Ah oui, ah je sais juste ce que tu veux dire, je sais pas. Alors, je vais aller dans le four atomique. Voilà, c'était sûr. C'est la richesse. Avec tout ce que j'ai supprimé sur la planète en manipulation de matière, c'est la fête. C'est la fête de quoi? Du slip? Non, la fête des métaux. Ouais, je me balade chez vous et je casse tout. Oh. Même pas peur. Jean-Claude Vandal. Le retour. Oh, on perd pas. Hein. Alors, même pas que je m'étais... Voilà, je sais même plus comment je jouais. Enfin, si, là j'en ai un peu. Ah, si, je les mettais là. Bon, moi j'ai ramassé un peu de pixels, mais le reste est pas tant intéressant que ça. Mmh. Et je viens de voir que j'ai 17 000 de tux sur moi, faudrait peut-être que j'économise encore là. Hop là! Allez, un voxel de plus. Attends, c'est vrai que je me suis remis dans le bidon, je vais peut-être me prendre un petit biscuit. Petit biscuit du matin. Avec ce bruit indécent d'emballage. Petit sablé. Que je vais picorer. Je reconnais bien la Captain Morbide, il vient de me céder 3 cocktails Molotov. C'est un rebelle, cet homme. Ah, des graines de riz. Malin. Attends. Oh, j'étends mes jambes. La circulation sanguine qui se... Oh, des bandits. Attends, mec. Des bandits, comme par hasard. T'inquiète pas, monsieur le scientifique, ils sont morts. Et pour la protection, je te pique tes pixels. Hein. Allez. Salut! Tiens, ça a cassé la radio. Je sais pas ce que c'était que ce mob, c'était une espèce de mouche qui m'a volé dessus. Elle a pris deux tirs de mecha, elle est morte. Ouais. Et par chance, c'était une chasse de prime que je devais faire. Ah. Coucou. Ah oui, il faut que je détende mes jambes. Voilà.
Pardon. Oh, oh là, rototo gros dégueu. Excusez-moi. T'avais vu le sage, comment il est dégueu. Ah oui. C'est le samedi matin, ville. Je loupe ma prise d'antenne. Il n'y en a pas. Je baille, je rote. Peut-être que je pète que vous le savez même pas. C'est honteux. Excusez-moi. On n'avait pas besoin de le savoir. Hein. Mais c'est ça, la tienne, comme dit Nashevman. Oui, merci. Pardon. Aïe, aïe. Oh, oui, alors. Ah oui, j'ai utilisé plus de... Ouais, presque 750 de carburant, là. À faire tous ces allers-retours. Et hop, du jus de raisin consommé. Ah oui, il faut que je cuise mes steaks aliens. Planète mutante, c'est dangereux. Ah bon ? Je m'en doutais pas. Il n'y a plus d'eau. Attendez, je vais reprendre mes ressources dans mon vaisseau. Et je vais me concevoir des objets de déco. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le coup de l'imprimante 3D aussi avec les pixels, faut pas que j'oublie. Dans le tête de mob, t'as tué le chercheur. T'aurais pu au moins laisser sa tenue à Azmat que je lui la pique. Oh la tête de Captain Morbi. Comment qu'il gesticule. Classique d'or. Oh, un campement de singes. Non, dans les lumières, je devrais avoir la lumière. Ah, voilà. Chandelier classique. Codex, mais je pense qu'on doit déjà l'avoir. Ça, j'arrive. Ouais, pas médiéval, non, je pense pas. C'est pas moi, j'ai rien fait. Ça, je vais dire pas que j'ai trop fait de campements de singes dans l'espace. Oh. Et codex, je les ai tous.
voilà une bonne nouvelle, on a toutes les infos. Et j'ai rien piqué, j'ai creusé le sol pour pouvoir passer avec le Mika. Il vaut mieux pas que je les déclenche, parce que les singes, si je déclenche la guerre, ça va vraiment être la guerre. Non, je m'en fous, j'ai le Mika. pixels piqués dans un coffre, allez. Bien parce que tu casses un bloc de terre, il te râle dessus. Tu vides les coffres, c'est pas grave. C'est horrible. J'ai envie de jouer, mais mon cerveau est tellement naze ce matin que j'ai plus d'idées. Alors quand j'en foisonne. Attends, là je vais peut-être faire une fenêtre ici. Ah mais c'est terrible, aujourd'hui je dors debout là. Je sais pas, parce que c'est bon, il me voit plus. Fatigue de la semaine qui m'a rattrapé et c'est malheureux. Du coup, je vous délivre en direct, mais alors, de zombies, je suis désolé. Nouveau boomerang, ça c'est cool. Oui, c'est ça mon défaut, c'est que ça manque de fenêtres chez moi. J'ai posé les murs bruts et j'ai pas mis de fenêtres. Donc il y a un côté assez triste. Voilà, là déjà ce sera plus vivant. Il faudrait peut-être que je respecte un certain standard. Ouais, non, là on veut dire que c'est pété. Ah, oui, je suis à l'étage, la musique est atténuée. Cohérence du jeu. C'est pas moi. T'as n'importe quoi. J'ai 4 sièges de bureau qui m'attendent au fond d'une pièce. D'un côté, le petit bureau informatique que je t'ai fait hein, pour travailler. Oui, merci. Ouais, c'est vrai que ça me met dans la nostalgie de mon enfance. Quand j'étais ado et que j'avais la chance d'avoir mon premier ordi. C'était ça, c'était les gros écrans CRT, là, hyper lourds, que la nouvelle génération oula, ne connaît oula, pas. Oups, j'ai fait une mauvaise manip. Oh, que t'arrive-t-il? J'ai fait un trou dans une maison. C'est moche. Heureusement, il n'y avait personne sur place. Je repense à un confrère qui m'avait raconté, il avait eu vent d'un petit jeune qui se lançait dans la vie active en qualité d'électricien. Je sais pas comment il a fait sa pause enfin bref, son intervention était catastrophique. Il a fait cramer tout l'électronique de la baraque. Il y en a pour, je sais plus, pas loin de 100 000 euros de dégâts. Les assurances qui vont lui tomber dessus.
Le jeune qui démarre très mal dans la vie. Ok. Ok. Je crois qu'il y a un... Il y a une prime qui s'est approchée un peu trop de la base des singes. Parce que d'un seul coup, j'ai un message, vous avez tué machin. Ouais, mais je l'ai même pas vu, moi. Oui. Ah, moi, ça me va bien, hein, mais... Le processeur de Stordi demande une maison en habitat large. Tu m'étonnes, vu la place que prend les vieux écrans CRT. La bonne blague. Parce que je suis en train de numériser ce que tu m'as offert, là. C'était en train d'en parler. Et c'est vrai que j'avais même pas scanné. Aïe, 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 aïe. Ah, la vache. Je sais déjà plus ce que j'ai dîné hier, mais je finis par me demander si j'ai pas mal digéré ce que j'ai. Parce que j'ai le système digestif qui me pèse anormalement, c'est bizarre. Je crois que j'ai mangé des restes hier, mais je sais plus quoi. Et j'ai l'impression que mon organisme ne me dit pas merci. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, Captain Morbide? Plein de Durastil. Petit à petit. Bah tiens. En espérant qu'il y ait de la flotte. Ça hydrate mes champs. C'est-à-dire j'entends de l'eau, mais je me tiens à côté de la fontaine. Je suis un idiot. Bon, excusez-moi, petite pause sanitaire pour moi, je reviens. Oh. Bon, plein que je vais garder ça. Bon, oui, il nous passe de la place. Alors, ça se pose pas là. Ça. Voilà. Ça. Voilà. Essentially.
aucun dossier. J'ai fait de mon premier boomerang. Je crains qu'il n'y ait pas eu de pluie sur ma planète. Ça part. C'est une possibilité. Ouais. Ça n'a pas repoussé. Ah, j'aime pas quand il y a de la tension dans le câble audio. Comment je peux faire? Il y a des moments où je me dis, faut que je fasse passer ça comme ça. Voilà, là c'est mieux pour moi. Le câble devient aérien. Ibi. Ah, même le sucre a pas repoussé. Dommage. Ah, Nash qui a pêché un poisson de rivière. Attends, c'est mal trié là, le sucre il est là normalement. Tellement de trucs en vrac à ma base, va vraiment falloir que je la monte un jour parce que sinon. Putain, j'arrive même plus à monter dans le vaisseau. Ah oui, j'avais dit trop petit saut, je crois. Oui, c'est vrai, c'est le multi-saut. Une visite de courtoisie. Une visite de courtoisie. Je redécouvre ta station. Ma station orbitale. C'est ça. Pour me dire oui, elle existe. Voilà, la visite a été faite. C'était court, mais ce fut bon. Excusez-moi, depuis que je suis sur Twitch, je crois que c'est le direct le plus naze que je vous... Heureusement que t'es là, petit Seb, hein, parce que vraiment, je dors debout. Moi, je fais rien. Je chasse des gens.
Je les accroche dans mon salon après. Seulement leur tête. J'ai un boomerang quelque part, je viens d'en trouver un deuxième et j'arrive pas à retrouver le premier. Ah, malheureux. D'ailleurs, pour mon confort, je vais me mettre au petit soin. Oula, oula, non, pas de tension dans le câble. Évite de tomber, toi. Je vais me mettre de l'huile essentielle dans le pif. Attendez, excusez-moi, là, un peu de pudeur, je vous prie. Je remets le cache noir de la webcam. Parce que voir un diffuseur qui se met un truc dans le pif, ça pourrait être mal interprété. Rien que de le dire, c'est mal interprété. Bah, vie. C'est ça qui est moche. Ah bah, bravo. Mon truc fonctionne ou quoi, là? Ah, ça y est. Non, en fait, je m'injecte de l'huile essentielle en jet dans le pif parce que parfois j'ai besoin de nettoyer plus que la normale et désinfecter. Voilà. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Ah, celui-là, je l'ai déjà. Tenez, je vous le laisse. Aïe, 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 je suis en train de me faire mal. On t'avait dit de pas le mettre aussi profond. Mais non, pardon. Mais non. Ah bah bravo. Ça me fait découler du pif. Ah non, bon, Le monsieur doit tuer, il est où? Parce que... Y'a personne, là? Je suis désolé, avec un mauvais geste, j'ai saboté ma webcam, et elle est figée dedans avec le cache noir. Oh là, je la remettrai plus tard, je suis désolé. Oh, la fausse manip que je craignais. Je suis deg. Si vous entendez des bruits de périphérique ou un dos, c'est moi, je suis vraiment navré. Ah non, direct de la misère. Et je suis tombé dans une maison de riche. C'est beau. Ah 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 ah. Et du piaf à désinguer. Alors, y a pas d'averse sur ma planète? Faut que ça pousse. Comment ça va sur ta planète? Ça va pas, y a pas de pluie, connard. Ça. Pardon. Ça va pas, c'est sec. Alors autant j'ai eu la pluie battante tout à l'heure, autant là ça fait quelques minutes. Régime sec. A plus. C'est pas moi, j'ai rien fait, c'est promis. C'est la misère. Je rebouche tout, c'est pas moi, j'ai rien fait. Et voilà. Ni vu ni connu, j'ai pillé leur sous-sol secret. Travaillez bien les gars là dans vos bureaux, tant mieux, continuez comme ça hein. Ah ah. Oh la porte classique elle est stylée. Dans le dessin elle est jolie. Elle est jolie. Oh, je viens de trouver un harmonica. Je veux un panneau numi. Alors je l'ai au bout de mon métro actuellement, mais je veux bien le remettre dans ma...
Boing. C'est rigolo. Ah, je dérange Captain Morbide. Que va-t-il me céder? Ah, des graines de... Des buissons à fruits, là. Bien. Je suis surpris qu'il me donne un truc d'agriculture, Captain Morbide. Vraiment, il me cède des produits de contrebande, surtout des armes. Il s'est rangé, Captain Morbide. Il a la main verte maintenant. Que signifie? Il fait juste semblant. Il y a les inspecteurs pas loin. Oh, j'ai envie de me faire une petite lune à aspirer l'essence mauve avant le grand fantôme là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Tiens, ça va me distraire. Non, pardon, mais plus je prends conscience de mon état, plus je dois vous avouer que ce matin, j'ai dû me réveiller en PLS, parce que je me sens fricassé de vertèbres aussi. En fait, j'ai la somme de toutes les fatigues de ma semaine qui m'arrivent dans la tronche, là. C'est... De me mettre en pause, ça me... Wouh! Mais c'est fou, hein, parce que c'est psychologique en même temps. Je me persuade que je suis en repos, donc du coup j'ai un lâcher-prise du corps en même temps qui me fait presque le solde de tout compte de ce que je lui ai fait subir. Ah, je me souvenais pas, c'est mignon, j'ai une coupe partout. J'ai une coupe dans le vaisseau et une coupe dans chez moi. Des coupes à Nolo là, c'est beau. Ouais, 75 diamants, c'est cool. Du coup, j'ai profité qu'il y avait des singes qui regardaient pas, qu'il y avait personne dans la maison du magasin, j'ai piqué la caisse enregistreuse. Yeah! Oh, alors que t'aurais pu la numériser pour la dupliquer plus tard. Proprement. Et je l'ai déjà numérisé. Oh l'autre! Mais c'était gratuit, alors j'ai pris. Oh l'autre! Oh là 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 là! Le stagiaire, le sage, il va dire: mais c'est quoi ce mate? Ça y est, j'ai la webcap qui chante. Tigidu, du, 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 tigidu. Bah tu l'as vu, j'ai commencé Ebola 2 là hier soir là. Ouais. C'était cool en vrai. Pardon. C'était cool, ils ont changé, ils ont... Alors, sincèrement, j'ai un peu l'impression de rejouer au même jeu. Il y a des salles, elles sont quasiment identiques, hein, vraiment, ouais, les mecs ils se sont pas foulés. Ensuite ça fonctionne pareil, t'es dans un truc souterrain qui va des étages 0 à 9, comme dans le premier. Par contre, ils ont modifié des trucs. Tu peux plus faire un clic droit pour viser plus précisément. Par contre, ta visée est précise dès le départ puisque t'es un agent de sécurité. Dans la logique, ça se tient. D'accord. Il est où ? Alors, il est aussi balèze que l'ancien. Aussi costaud. Je suis tombé sur un boss que bah, il m'a tué et je l'ai pas réessayé. Hein. Franchement, je me suis dit non, c'est pas la peine. Okay. Moi, je me souviens de ton direct hier soir, je t'avais vu en train d'abattre au 9 mm ou arme de poing un semblant de King Kong qui était bloqué dans un
chambranle dans un encadrement de porte. Ah oui, c'est pour ça, c'est parce que alors ça ils l'ont changé et ça plairait à Christella, c'est que maintenant les ascenseurs et les salles de sauvegarde sont des zones complètement safe. C'est-à-dire que les mobs ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Ah d'accord. Et en fait c'est ça, c'est que en fait j'étais sorti de l'ascenseur, j'ai ouvert la porte, j'ai vu le loup-garou, j'ai passé jusqu'à l'ascenseur. Et c'est pour ça que je me permettais de le tirer au flingue pour économiser mes cartouches de pompe. Parce que bah, comme il était bloqué, qu'il pouvait rien me faire. Ce qui, alors dans le premier, bien vu, c'était des zones semi-safe parce qu'il y a certains mobs qui arrivaient à rentrer, d'autres non. Et le problème, c'est que dans ces zones safe, enfin semi-safe, tu pouvais mettre des coups de pied, mais tu ne pouvais pas tirer avec tes armes. Ce n'est pas le cas sur le 2-6, ils ont rectifié comme il faut. Ça, c'est très cool. Nouveauté du 2, t'as la carte. La carte, tu peux mettre des petites croix dessus pour indiquer des portes fermées ou des endroits où tu devais aller. Mais... carte. D'accord. Ouais, alors c'est juste des croix. Tu peux juste mettre des croix. Mais autant que tu veux, tu peux les mettre, les effacer. En fonction de ce que tu... voilà. Donc ça c'est cool, ils ont fait plein de petites nouveautés. Après ils ont plagié encore plus Resident Evil hein. Là les monstres ils les appellent vraiment des zombies. Tu sauvegardes sur la machine à écrire avec de l'encre. Et tu te soignes avec des plantes vertes. Ça c'est 100% Resident Evil. Effectivement. Bonjour Christella. Elle me passe le bonjour. Ça c'est parce que j'ai peur d'elle, du coup elle arrive. Bonjour Christella, j'espère que tu vas bien. C'est ça, il parle d'Ebola 2. Ebola tout à fait, 2. Tout à fait. J'ai décidé qu'ils ont fait plein d'améliorations pour le gameplay, ce qui est cool, mais aussi qu'ils ont encore plus plagié Resident Evil. T'as rien qu'à voir les deux prochains jeux qui sortent, c'est Ebola 4 et Ebola Village. Non, ils sont ah, si, si, si. Ah si si si. Ils ont pas un grand méchant blond à lunettes noires qui s'appelle Général Whisky par hasard? Non. Par contre, là, j'ai croisé une. Dans celui-ci, il y a des PNJ qui ont survécu. Dans le 2, j'ai croisé un PNJ qui s'appelle Jill, héroïne du premier épisode de Resident Evil. J'ai croisé un scientifique qui s'appelle Albert. Méchant de Resident Evil, c'est Albert Wesker. Voilà. Désolé, mec. Ça que je l'ai. Enfin, bref. Tu vois, ils assument les. Le plagiat. Le plagiat, tu vois, mais ça se voit. Tu vois qu'ils l'assument amplement. Après, c'est quand même un jeu à part avec sa propre histoire, hein, même si elle est très similaire à celle de Resident Evil. Par contre, sur la fin du stream, je me suis dit je vais aller visiter l'étage que je ferai la prochaine fois, tu vois, en me disant, va falloir quand même que... Village, j'ai essayé la démo, je vais rigoler. Ouais, je verrai ça, Christella. Mais déjà, j'ai les 3 Ebola à faire, je vais déjà faire les 3. Et après on verra. Et il est probable que... Sincèrement, il est probable que je ne fasse pas les démos pour me... Ouais, vraiment, pour... À fond. Pour me garder le... Ouais, la surprise. La surprise, ouais. Ouais, c'est beau. Totalement. Bon, je désespère d'avoir des précipitations sur ma planète. Je sais plus si c'est celle-là que j'ai de machine de vente. Ah, un bouquin. On a déjà. Ah, je suis pas allé poser mes affaires, boss player. Pardon.
Alors c'est bizarre, j'avais cru voir EJ à 8h du mat connecté à Steam. Mais je finis par me demander s'il est pas allé se rendormir. C'est possible. Parce que pour vous mettre dans la confidence, je lui avais envoyé un message privé hier, Discord, en lui disant « Bah écoute, avec Petit Seb, ce samedi, ce sera Starbound. On démarre pas encore Raft. » Ouais, voilà. Et il me disait « Ah ok, merci le sage. Oh, c'est horrible. Ah bah voilà, quand on parle du loup. Ah, t'étais très fatigué, donc t'as beaucoup dormi. Non mais l'essentiel c'est que t'ailles bien, tu vois, EJ. Ce qui est plus vraiment ouais. Mon cas. Là, franchement, je suis... J'ai pris mon mental ce matin, je suis claqué finalement. Je dois avouer que j'ai cumulé de la fatigue, moi. Il est éclaté au sol, le sage. Ouais, c'est triste. Je vous fais un direct lamentable, j'en suis navré. Je suis heureux de vous voir, merci, mais... Un codex qu'on n'avait pas. Ah, il a trouvé un nouveau codex. J'avais de la pluie sur ma planète. Ouais. Et c'est reparti pour me moucher. Et toujours sans couper le micro. Oui, j'ai plus de réflexe appuyer sur le bouton muet. Il est trop fatigué pour appuyer sur un bouton. Ah ouais, la honte absolue aujourd'hui. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Bah, tu nous rejoins quand tu veux, EJ. Mais on sera content de te voir. Ah ouais, ce matin, c'est le direct de la misère. J'ai honte. Et l'harmonica, je l'avais pas, c'est cool. Allez hop, un harmonique. Alors, ça se range, ça je le vends. Ça je le range. Ça et ça, c'est pour EJ. Ah, j'ai un pief qui m'agresse. Dans ma base, je vais avoir au moins 2 étages de grosses galeries pour des costumes, là. Va falloir que je farme du bois en masse pour faire des mannequins et tout mettre dessus. Oh, et ça va être beau. Oh, une annonce qui fait plaisir. Quoi c'est qu'il y a ? Récif qui essaye de faire des tests Twitch. Il a dit test foireux volontaire en just chatting. À mon avis, il essaye de reconstruire sa chaîne Twitch. Ah, oh, sacré Récif. Il est adorable. Il avait eu un problème avec ? Je sais pas, mais il était très pris par son nouveau travail depuis... ça va faire 1 an maintenant, non ? Je sais plus. Il avait trouvé son boulot à la sortie de l'hiver dernier, je sais plus. Ouais, sacré du coup, Récif. Il essaye de se relancer. Bah oui. Ah, j'ai enfin la flotte. C'est marrant, c'est quand je rentre dans ma baraque que la flotte arrive. Ah, pour un coup de nacelle, un coup de métro pour fêter la flotte. C'est méchant. Alors, je me TP sur le sage. C'est pas prudent. Je suis dans ma nacelle automatisée. Tu vas te faire écraser dans le métro. Non, j'attends que tu reviennes. Oui, parce que quand tu lances ta nacelle, elle fait demi-tour au bout, elle revient s'arrêter au point de départ, non ? Exactement, c'est comme ça que je l'ai conçu.
Il faut savoir que c'est pas une obligation. Hein. Pour ceux qui connaissent pas le jeu Starbound, vous avez des choix de composition en électronique. J'aurais très bien pu faire par exemple un carrefour, dire je choisis dans quelle direction avec les flèches du clavier, ou faire un arrêt complet. Je crois même qu'il y a moyen dans des trucs sophistiqués à faire des zones de pause et que ça reparte automatiquement sans que vous appuyez sur une seule touche. Ah, elle est bonne. Merci petit Seb. Alors, et cela... J'ai fait mon vilain. Oui, tu disais cela quoi? Bah, ceux-là, c'est sûrement des doubles parce que je les ai déjà. Et celui qui me reste à te donner, bah, je le jette par terre, hein, tu le récupéreras. Oui. C'est lui, c'est un que j'avais pas, donc tu dois pas l'avoir non plus. D'accord. Et une fois que j'aurai fait mes copies de documents, merci à toi, petit Seb. Voilà, ce sera dans ma bibliothèque pour consulter AJ, qui en fera de même à son tour. Je vais plus vite que toi, je vais plus vite que toi. Ouais, c'est beau. Ah, l'évolution des îlotis. Tiens, c'est bizarre, le titre du bouquin me dit quelque chose. L'évolution des îlotis. Alors, dans ma bibliothèque... Attends, les bouquins... Oh bah tiens. Voilà, il faudrait bien qu'on continue ma quête, là, parce que ça fait bien 15-20 minutes que j'ai arrêté de chasser les méchants, là. Bah, je vais bien faire une petite pause. Ah non, c'est ça, il fallait que je regarde... Voilà, c'est pour ça que j'étais revenu. Effectivement, il y a une machine que j'avais pas. Encore que, ces derniers, je les avais. Heureux, Olive. Ouais, je te dis, je vais celle-ci. Et... Ok, heureux, Olive. Ça, je vais déposer le surplus dans mes bibliothèques. Et joli, merci, petit Seb. Bonjour, Nayonet. Je t'en prie. Nayonet vient d'arriver. Oye, oye, oye. Là, c'est une longue phase de pluie modérée. Je peux y retourner et hop. Ça va. Encore que ça a l'air d'être la fin de la flotte. J'étais parti faire des tâches et lancement de lessive. Ah oui. Oui, bah bon ménage à toi, Olive. Oh, ça me rappelle cruellement que moi, j'ai des tâches en retard. C'est pas bien. La semaine prochaine, je jouerai un peu moins en soirée et je ferai plus de tâches ménagères. Fais pas chier, toi. Ah, c'est pas croyable. Mais alors, mon cerveau qui a refusé de se réveiller ce matin. Ce qui me fait peur, c'est que j'étais mieux il y a une heure. Plus le temps passe, plus je décline dans la fatigue. Alors, me réveiller fatigué après une nuit de sommeil, c'est plutôt inquiétant. Bizarre, je sais pas, mon cerveau qui refuse le réveil. Pourtant je me suis réveillé naturellement. Hein.
J'ai littéralement fait grasse mat, hein, j'ai pas eu de réveil. C'est, je comprends pas. C'est. C'était Weeble. Ah, Olive qui a pêché quelque chose. Chameau d'Auvergne. Ouais. Putain, mais le blé qui pousse jamais. Bah, hey, tu rigoles, dit le coup de ronfler, Nayonet, mais. Déjà que je baille comme un sagouin. Depuis ma prise d'antenne, je baille tous les quarts d'heure. Non, mais là, sérieusement, j'ai le cerveau déglingué ce matin. Au niveau gestion de sommeil, je sais pas ce qui m'arrive. Mais. C'est comme si je m'étais réveillé et fatigué. C'est triste. C'est rare quand ça m'arrive, mais alors. Là, je me réjouis d'avoir petit Seb et Jeff à arriver. Et heureusement qu'ils sont là, parce que je vous confesserai que là, je serai en direct solo. Je vous présenterai mes excuses. Je vous mettrai soit en récompense la compile de clips, mais j'arrêterai carrément d'être actif, quoi. Et peut-être même que je retournerai dans un somme, le truc fou. C'est bizarre, je sais pas. Pourtant, à part l'abruti qui a gueulé dans mon quartier, là, qui m'a réveillé cette nuit, j'ai plutôt bien dormi. C'est pas rassurant, mon histoire. Ajoute du café citron énergisant dans ton cerveau. Ouais, je sais pas. Le pire, le café, c'est que je carbure quasiment qu'à ça tous les matins. Et peut-être d'ailleurs ça, mon problème. Il faudra peut-être que je refasse une cure d'arrêter d'en boire pendant quelques jours, que mon corps se rince. Je me souvenais plus que j'avais un contenant ici, moi. Et j'ai les choses, moi, là-dedans. Oh, j'arrive pas à me motiver à quoi que ce soit, mais quelle horreur. Faut que je fasse de l'exploration, vite. Wesh, c'est quoi ce mob? Une espèce de papillon magique qui passe à travers les murs. Waouh! Ta description, mais me dit rien. C'est une tête rouge avec deux ailes blanches et des flammes sur la tronche. Eh bien. Bon, d'habitude je ramasse mes torches, mais là comme j'en ai plus de 450, je vais peut-être arrêter. Alors, récoltons un peu d'essence sur cette lune. Air contrôle de folie. Salut Nayonet, merci de passer aussi sur mes chaînes. Tes chaînes, t'en as plusieurs. Ouh là là. J'ai dit ma chaîne. J'ai compris mes chaînes. Ouais. T'as besoin de sommeil. Je suis désolé. Pas, ça nous arrive tous un jour. Ah ouais, non mais là c'est triste, parce que j'essaie de vous divertir et je suis dans un état, mais alors je suis en mode éteint. Non mais c'est ma fatigue de la semaine qui m'a rattrapé, je suis désolé. Mon organisme dit stop, pause, repos absolu. Mais je veux jouer. Je veux être en votre compagnie, ça fait du bien au moral. On fait le plein de bonne humeur dans un simple, ça qui est beau.
C'est marrant, j'étais en train de me dire hier, au moment de m'endormir, je repensais à mon serveur Minecraft. Je me dis, mais il faudrait peut-être que j'aille taper de l'œil et séduire quelques Québécois. Histoire qu'il y ait de la vie dans le serveur, mais vous savez, à 24 avec leur décalage horaire. Comme c'est des francophones de l'autre bout du monde. Ça me plairait vachement d'avoir des quelques joueurs québécois. Enfin bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Je suis déjà bien content de vous avoir. On vit des aventures fabuleuses dans des mondes virtuels charmants. Enfin, riches en contenu surtout. Oui, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai vu, il y a Torota qui a déclaré... Il va continuer à jouer à Minecraft sur le serveur tout à l'heure, dans l'après-midi. Donc ceux qui seraient intéressés de le rejoindre, n'hésitez pas. Et le code, c'est encore 1000... que des 1. C'est fou, ça. Oh. Tiens. Je demande que j'avais besoin pour finir ma déco chez le sage. Ah, il n'y a plus d'essence en surface de cette lune. Ah si, un peu. Il faut creuser petit peu. Alors, je prends pas le risque de faire une grande excavation, parce que comme il y a le fantôme, qui évidemment vous pourchasse si vous vous tue instantanément s'il vous touche, enfin, c'est surtout qu'il aspire votre énergie très vite, votre énergie vitale. J'évite de me retrouver coincé dans une grotte sous peine de mourir comme un caca vêtement. D'où ma stratégie de... Voilà. J'ai pas vu si Jay avait rejoint, non, pas encore. Non, il est tout doux. Je pense qu'il va faire une heure avec nous jusqu'à... Il va nous faire du midi 13h, et Jay. La visite de courtoisie. Non, bah, c'était juste pour l'inviter dans l'équipe s'il est là, quoi. Bah oui. Mais non, il s'est pas encore manifesté à nous, là. Il met un tout doux pour lui aussi, il a besoin. Oh, je vais me barrer, il y a une pluie de météorites, j'ai pas envie de manger une dans la bouche. J'étais un peu douloureux à gober. Il y avait un homme des ténèbres qui était presque mort, du coup, par souci de sérénité d'esprit, je l'ai achevé histoire qu'il souffre pas. Oh. Le mec qui est pacifique en plus, c'est le mec qui t'attaque même pas. Eh, je suis dans un système solaire plutôt riche. Mais Alulawek, c'est pas mon système d'origine? Je ne sais plus. Ah oui, c'était pour ma station orbitale. Ah merde! Ah, est-ce que je peux corriger l'intitulé Ah, j'ai pas fait gaffe, j'ai commis une coquille dans l'intitulé en anglais. J'ai mis off en trois lettres. Il y a deux F alors qu'il n'y en a qu'un seul normalement. J'avais pas vu. Mon place where is all cocu of space in robe de mariée. Faut que je corrige la faute si je peux. Oui, j'avais oublié ça. Tiens, bonne question. Est-ce que je peux éditer le nom de ma station? C'est pas sûr. Si tu vas dans le truc de paramètres peut-être? Bah, dans le terminal à bord de la station elle-même. Parce que le terminal va me donner accès. Ah oui, je suis con. Eh oui, Nayone, le mecha. Et puis, le mecha, bien sûr. C'est lourd avoir son mecha. Oui. Non, j'ai un coffre. Là, j'ai un fossile. Ah non. Non, une fois que je lui ai donné un nom, visiblement, je peux pas le changer. Ah merde, dommage, j'ai commis une coquille débile en anglais. Attends, je le téléporte à mon vaisseau, mais ce sera moi après dans l'index. Bonjour, fan.
Wouch, je me mets à sprinter dans le vaisseau, ça fait bizarre. Ah, c'est bien ce soir qu'on fera les bibis chez moi. En soirée, là, j'ai enfin déverrouillé la forme de fraise, la bibi fraise, texture fraise. La fraise absolue, magnifique. Faudrait que je vois si je peux vous la proposer en... à jouer. Sinon, ce serait une affaire de points fidélité, ça va vite arriver. Là, je suis content. Et sur ta planète, le sage, ou pas? Oui, dans chez moi. Vas-y, au niveau du téléporteur. Je bouge plus, je t'attends. C'est bon, tu peux. Mais pourquoi t'as sauté à l'étage? Tu m'intrigues. Oh, on peut voir une surprise. Emprunté à Robotnik son design de Medcha. Oui, c'est vrai que j'ai un Medcha particulier, mais qui est propre à mon espèce robotique. Et je l'ai, il est vanille, il est d'origine. J'ai pas optimisé mon Medcha, contrairement à Petit Seb. Je pourrais, alors j'ai les pièces, mais je me suis pas encore lancé et voilà. Là-dedans. Oh. Une baie de serveur pour chacun. Ah, excellent. Merci Petit Seb. Ah merde, le toit est plus troué, je peux plus sortir. Pidu. Il faut soit trouver la porte d'entrée, soit prendre le téléporteur. Vu l'écart entre la porte d'entrée et le téléporteur, je passe par la cuisine. Du balcon et que je me TP. Voilà, ça c'est... Voilà, t'as dit le mot-clé qui pourrait être astucieux, c'est balcon. Si je mets un balcon au niveau de l'étage supérieur, ça pourrait faciliter la vie à bien des joueurs. Je vais essayer de faire ça, attends. Oh, mais ça s'entend... Je m'entends en retour son à la voix, je suis éteint. Je suis comme un jouet, donc faut changer les piles. Je suis... Pardon. Mais je dois l'avouer, je suis... Il est tout ralenti. Je suis chaud. A plus d'énergie. Bon. C'est triste. Allez, on va défoncer du boss. Oh. Ah. Je crois que je vais aller me chercher une bouteille d'eau peut-être avant. L'eau, c'est la vie. Et la vie, c'est la bouffe. Ah non, pardon, j'ai dérivé. Ouais, comme on dit l'expression célèbre, vivre pour... Non, manger pour vivre et non pas vivre pour manger, voilà. Sinon, c'est de la gourmandise, c'est moche. Ah, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 quêtes de primes, j'ai gagné 6875 pixels. Ah ouais, le chef de la bande de la région, 6250 pixels. Oh. Quand tu le captures. Attends, j'ai même plus de porte, sérieux? Faut que je me fasse une porte. Ah bah tiens, je vais faire la belle classe que j'ai vue au truc à pixels. La classic door. Elle sera magnifique. En porte de balcon, chouchou rabot. Eh merde, oh, je suis pas allé au bon étage. Je récupère des pieds de biche et des clubs de golf comme arme. Mangebuxia. Ah oui, c'est particulier comme style de porte, mais c'est une porte. Tiens, mériterait que je mette une lampe extérieure au niveau du... Ah ! Au niveau du balcon. Spatial, et pendant ce temps, je vais me chercher une bouteille d'eau à vitesse. Je reviens. Non, on court pas non plus. Là. Alors, lumière. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme lumière de balcon? La lumière bon marché.
Oh, la vieille lampe avec la torche, ce serait trop beau. Oh, putain, mais c'est moi ou mon ordi a encore des ralentissements? Oh là là, c'est le samedi qui veut pas. L'ordi du stage aussi. Bah, c'est pas la catastrophe de tout à l'heure. Salut Lanou. Mais... J'ai même pas vu que Lanou était là. Bonjour Lanou. Et attends. Putain, mais je vois la moitié des messages, moi c'est pareil. Mais bon, moi c'est mon état normal de pas voir les messages des gens. Oui, Nayone, quand tu disais la diffusion est niquée ou c'est toi, ben je sais pas, moi je le vois tout nickel. Déplacement en méca qui va pas durer normalement, mais. Ben, je suis passé dans le bon sens. Apparemment c'est le cas. Puis là je m'étire parce que j'en ai envie. Oh pardon. Ouais c'est bizarre, j'ai un truc qui me plaît sur l'estomac. Étrange. Ça c'est pour Jet. Et voilà, je suis TP dans la base du méchant. C'est parti. C'est la guerre. Waouh. Merci les copains. C'est très très méchant. Non. Ils viennent de me filer une voiture de course. Non. Je veux voir ça. C'est scandaleux, j'arrive. Que signifie? Oh! Wow, une Lamborghini de l'espace. La Lamborghini Space. S'il vous plaît, taxi. Non, c'est une monoplace, c'est dégueulasse, c'est comme une McLaren. Oh là là. Mais c'est délirant. Attends, je te la rapporte évidemment, mais je fais un tour avec tellement que c'est tentant. Non, mais vas-y, de toute façon, moi j'ai la base à détruire là. Ah, d'accord. Alors je compte les points en Lamborghini de l'espace. Attends. Putain mais il y a plein de trucs à scanner en fait. Ah oh, c'est une discothèque. Wow, c'est l'endroit le plus chébrant de la planète. Oh non, il y a pire. Je numérise tout. Moi j'ai pas numérisé. T'as pris son de la brésique en plus. Bah. Ah pas je bah. Ah. Wow, c'est quoi ta mitraillette, toi? Donne-la moi! Dommage, il me l'a pas donné. Wow, mais c'est les mousquetaires là ou quoi? Les mousquetaires de l'espace. Ils ont tous des masses de pingouins, c'est le gang des pingouins. Putain, mais c'est trop fort! Je vais monter mon propre club sur ma planète, le Popcorn Club. Voilà, ça c'est du vrai projet. Et ils ont tous des masques de popcorn, c'est ça? Oh, écoute. Oui, ouais, au lieu de faire bain douche, moi j'aurais bain popcorn. Ce serait drôle. Putain, le truc pas hygiénique, c'est tu danses dedans, la chaise que tu j'avais pas. La bouche et manger en même temps. C'est un concept. Je peux monter sur les enceintes? Non. Putain, et dire que les grandes enceintes comme ça, j'ai connu en discothèque quand j'étais jeune. On avait une discothèque techno qui était branchée, j'ai eu du bol, elle a vécu quelques années quand j'étais étudiant. J'y suis allé 2-3 fois et j'adorais. Et il y avait alors il y avait 3 salons, 3 étages, 3 ambiances. Moi j'allais dans la techno, j'adorais ça. Enfin j'adore toujours. Et voilà, il y avait les grands haut-parleurs comme ça où t'évites de te mettre devant parce que sinon t'as ton squelette qui vibre en même temps. Déjà que t'as plus de tympan. Mais magnifique. We got a funk. Oh funk. Ok, shake to the funk. Oui, je sais plus. J'ai laissé la Lamborghini de l'espace dans la discothèque.
Ouais, mais t'inquiète, je m'en fous, de toute façon, je pourrais pas l'emmener. Ah, ah oui, c'est vrai. Mais c'est cool, là, grâce à toi, j'ai pu numériser... Tiens, d'ailleurs, on va regarder combien ça coûte. J'ai pu numériser la discothèque et avoir le matos. Eh ben, mec, si tu me fais que 4 points de dégâts par 4 points de dégâts, tu vas pas aller loin, hein. Moi, je te fais du 240, mec. Alors la question c'est où est le truc de discothèque dans la longue liste. Captured. Ça doit être dans décoratif déjà. Je pense aussi. Waouh, c'est pas comme si j'avais déjà une liste énorme. Elle est pas complète. Elle est pas exhaustive. C'est fou quand même. Bon, vu l'heure, je finis par me convaincre que Edge ne nous rejoindra jamais. 11h20. Ah, club speaker. Ah, Torota dit, ça serait drôle de faire une discothèque spéciale sur un terrain voiture, tuning, drift et tout le bordel. Salut, fun, fun. Bah, potentiellement, tu pourrais faire ça, ouais, dans le jeu. Mais je rappelle qu'une de mes rares parties en multijoueur sur Starbound que j'avais faite il y a 4-5 ans, j'avais ratissé, j'avais aplani toute une planète pour en faire une planète de course en bagnole. Et on se faisait des courses en bagnole. Alors tout le monde va à la même vitesse, mais l'ivresse de la vitesse était trop drôle. Et on se tapait des délires là-dessus, au final tout le monde voulait nous rejoindre, tellement que c'était le gros boxon. Tu fais des montées et des descentes, et suivant les gens qui gèrent, il y en a qui vont aller plus vite que d'autres. Ouais. Mais non, moi j'avais fait un truc vraiment plat, tout le tour de la planète, et on se tapait des délires. Et même des jumps et tout, avec des tremplins. Oui, on peut. Non, bah je crois que j'ai comme tu peux pencher ou relever le nez de ta voiture, tu peux faire plein de trucs en vrai. Ouais, bah ouais. Et je me demande s'il y en a pas qu'on a déjà fait des cartes comme ça. Ah, c'est club blanc. Ah, club deck. Oh, ça m'est passé sous les yeux, j'ai même pas réagi. Je cherche club, t'auras plein de trucs, t'auras tous les trucs en club. Presque. Fais ta recherche dessus. Bah l'autre c'est la Death Machine, mais... Ah, il faut que je fonde ma discothèque. Moi j'ai trouvé un pistolet cartilage. Pardon. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Alors moi je suis fatigué malheureusement. Bonjour. Mais bon, à part ça, ça va, merci. J'espère que tu vas mieux que moi, besoin. Et voilà, faut que je change de station de chasseur de prix. Mais avant, un petit tour magasin. Ça, je veux acheter. Alors, bravo. Un truc que je voulais acheter, bravo, c'était... Ça, ouais, ça. Ah, il me manque un crédit de l'espace. Triste. Ah oui, l'essence ancienne. Non, c'est quand tu fais des quêtes de chasseurs de primes, ça te file des tickets spéciaux. Ah, d'accord. Eh bah, t'as chopé le hockey maintenant, c'est ah vraiment ouais, pas non, ta, mais pas, je pas vous fais ta la totale. Ah non, mais aujourd'hui, je vous fais la totale. C'est un désastre, je suis vraiment humblement... Excusez-moi. Je veux... Alors, discothèque... Faut que je teste à quel point ça fait mal cette arme. Ça y est, il refait son chadic. Je vois pas de quoi tu parles. Base jardin, base de petit Seb. En attendant, rien ne m'interdit de faire mon. Ah merde, t'allais me donner des trucs. Non, pas du tout. Ah d'accord, parce que je suis dans ma station orbitale. Je me dis qu'en attendant, j'ai le droit de faire ma discothèque dans ma station orbitale. C'est trop stylé.
Tout à fait. Voilà, la discothèque de l'espace. Allo Sage. Mais... Ah, c'est quoi ce flingue? Mais il est fou. Discothèque. Oh mon dieu. J'ai plus d'énergie. Salut. Faut que je teste son efficacité, mais c'est bon, je suis déjà fumé. Ah. Ibi. Oh mon dieu, j'ai craché la platine à scratcher. Avec du Dance Machine. Ah merde, le Dance Machine sera en bas. J'ai plus de place. Je pense que ça sera la dernière station d'espace que j'aurai. Si tout va bien. Ah merde, les sons se confondent. Oh le bordel. Mais trop bien! Ce sera le Popcorn Club ici. Ouais! Tiens, déjà, la déco du pauvre, je peux pas faire la peinture. Oh, trop stylé! Vous voyez un petit peu de couleur, et puis ça fait un truc complètement. Tendance. Oui, Makama a craché, Torota, désolé. J'ai eu le malheur de me battre avec le son, c'est-à-dire mon câble d'écouteur, et j'ai percuté la caméra et crotoum. De toute façon, je vous confesserai que comme je présente pas frais, voilà. C'est mieux. Bah ouais, j'ai pas envie de vous inviter à la déprime, je suis désolé. Bah alors, il est pas frais ton poisson? Ouais, désolé, j'ai devenu une BTD de Cérix il y a pas longtemps. Ah ouais! Oui, 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 c'est vraiment la dernière station spatiale. Hein. J'ai bas. Pour les primes, je pense. Attends, je vais m'en dupliquer une autre, mais pour ma chambre de base de dance là, à jeu. C'est quoi ça? Ah oui d'accord, un feu de signalisation pété. Ok, j'ai ça en déco, tout va bien. Bon, c'était la Dance Dance Machine que je voulais. Là, c'est quoi ça? Ah merde, j'ai pu essayer en thune. Ça va revenir. T'as un marchand spécial néon. Ah bon? Lampe néon magenta, triangle néon. Wow. Une lampe comme les grandes lampes là dans les villes en néon, un hologramme néon de palmier et le symbole du Peacekeeper en néon. Ok. C'est original. Oh mais je la veux. Une machine à vendre que j'ai jamais vue ailleurs. Ah. Elle vend que des donuts. Oh. Y'a pas une version popcorn? J'adorerais. Ah, je sais pas. Attends, pourquoi je vois plus... Ah oui, j'allais dire. Je voyais plus mes graines de blé, moi. Mes géants de blé. Il peut te vendre un laser pour ton bras de mecha. Oh. Bouh. Ouais, oh, Jay. J'ai trop peur. Comment il va être, Jay? Bah très bien, et vous? Bah moi malheureusement pas la forme, mais bon, je suis heureux d'être en votre compagnie. Faut que j'achète ça. Il m'en faut 15. Dorota, il a trouvé un projet de soirée morbide en vocal avec nous. Il est trop fort. J'ai rejoint la partie. Youpi! Super. Il y a même en pet, il te vend un drone de Peacekeeper. Vache. Je te dis, c'est la dernière station. Je suis dans des planètes de difficulté extrême en même temps. Là, je vais moins rire parce que ça va être de mon niveau, ça va pas être aussi facile. Ouais, bah ouais.
Quoi ? J'avais jamais fait le gâteau au café. Putain, il me paraît tellement singulier le gâteau au café que... Je suis surpris de voir la récompense, vous avez déverrouillé la recette. Alors, tu parles d'une surprise ? Allez, une fois, je me motive. En 1h30, là, d'ici 13h, j'arrive à finir les chasses. Ah, c'est ambitieux. Ah oui, ça aussi, il faut que je le range. Ouais, Jay, toi, tu en es où ? Bah là, je suis dans ma base. Je sais pas encore ce que je vais faire. Ah oui, il faut l'inviter comme membre. Parce que c'est vrai que je le vois pas. Je peux pas se téléporter. Voilà. Voilà, merci. C'est fait. J'étais en train de le faire. Très bien. Je vais me TP à lui. Je sais plus s'il te manquait beaucoup de modules d'adaptation. Tiens, on bloque 25 de plus. et 8 trucs de tech. Tu pourras te faire un autre tech si t'en as envie. Ok. A tout à l'heure, Nash. Merci d'avoir été là. Il se met en retrait. Repli tactique. Repli stratégique. Attends, il faudrait que je convoite une planète de froide. Ah, il me dit que j'aurais déjà visité. Pourquoi pas. Ouais, et je suis dans un lieu où il n'y a que des systèmes solaires Fieri, c'est les pires, les plus dangereux. Ah oui, les flambés. Alors, Torota dit, pour expliquer rapidement, ce jeu s'appelle Black Stories, les histoires sombres noires. Oh oui. Pour oh ceux oui. qui connaissent. Ah, ça te parle, ça me dit quelque chose, moi, mais... Ah oui, oui, oui. Ah bah c'est bien, tu vas pouvoir nous faire une explication, NJ, chic, nous t'écoutons. Alors, je sais pas s'il existe en jeu vidéo ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est un jeu de société. Il y a beaucoup d'éditions, en fait, c'est par thème, et le concept, c'est il y en a un qui prend une des cartes disponibles et qui doit faire deviner, on va dire, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, moi j'ai l'édition Les Morts aux Débiles. Donc c'est très drôle. Et en fait, il y a un petit paragraphe. Celui qui doit faire deviner lit ce paragraphe. Et donc les autres doivent poser des questions pour découvrir le fin mot de l'histoire. D'accord. Et c'est très sympa. Ah bon. Il y a différents thèmes. Il y a cinéma, il y a les morts débiles. Non. Moi j'ai le cinéma et j'ai déjà joué aux morts débiles, mais c'est très drôle. Ah, je connais pas du tout. Dorota qui dit qu'elle joue les cartes. Ouais, c'est vraiment très marrant. Mais parfois, vraiment, je prends comme exemple les morts débiles, ça va très très loin. Il y a des choses qu'on n'imagine même pas. Oui. Il y avait d'ailleurs une édition d'un bouquin justement qui référençait les décès les plus je sais pas comment qualifier les plus folles. L'agression d'entrée de jeu. Oh la vache. J'aurais pas dû aller par là.
Darwin Award, le livre des morts les plus bêtes. Merci Torota, ouais. J'en avais entendu parler à l'époque de sa sortie et il y a des exemples qui m'avaient été donnés et waouh. Bah d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a eu un cas enregistré d'une mort unique. C'est le mec qui est mort de la chute d'un météore. J'en parle parce que Starbound m'y fait penser. Mais c'est arrivé en vrai. Un mec qui était en extérieur, il a eu le malheur de se manger un... Alors un météore, hein, c'est pas forcément le truc à... qui fait un stade de foot, évidemment. Un météore, ça peut être l'équivalent d'une balle de revolver. Mais le problème, c'est que si t'as le projectile là qui t'arrive à la surface de la Terre... et c'est toi qui te le manges, et il y a un mec qui est mort comme ça, tué par la chute d'un corps céleste. Faut vraiment pas avoir de chance. Oui, t'as plus de chances de gagner au loto que de mourir comme ça. Ouais, donc lui il a pas de chance, il est mort comme ça. Et voilà. Il a voulu faire comme la cité de la peur, ça a coupé chéri. Aïe. Quoi ? C'est pas par là que tu es arrivé. Il est par où ? Ah, par là. Attends, qu'est-ce que c'est que cette planète ? Je la vois comme une planète de sable et quand je clique dessus, il me dit que c'est une planète crasseuse, polluée. Ah non, c'est une géante gazeuse ! Ah, d'accord. Alors là, oui. Effectivement, les données correspondent pas. Oui, bah oui, je peux rien en faire de la gazeuse. Ah merde, il n'y a pas encore un truc à faire. J'en ai une autre de Tundra. S'approcher de l'orbite de la planète. Fais gaffe à ta santé, le sage. Ah bon? Bah, ah je oui. Vois ta barre santé, c'est pas fou. C'est vrai, j'ai pas fait gaffe, merci de l'avertissement. Pas fifou, effectivement. Ah, je crois que j'ai trouvé mon bonheur sur cette planète. Puisque je vais vous l'avouer, je suis en quête de la roche phosphorescente. Il y en a de la bleue et de la jaune en général sur la planète de glace. Ah oui, non mais attends, s'il y a ça qui m'accueille, je vais pas faire long feu. Je vais attendre de restaurer ma vie dans le vaisseau et je vais y repartir après. Ne faites pas chier vous. Hop, j'ai fait l'apothicaire. J'ai fait la pharmacie. Ouais, je fais le mineur là. Je suis avec mon laser et je creuse comme un abruti. Qu'est-ce que... C'était des bombes de lumière. On va être pas toi. Trop bizarre ce que j'ai vu. Ensuite on peut faire le comptoir de cuisine. Bah alors, oh, j'arrive plus à faire face au bizarre. Voilà, oui, waouh!
tu aurais dû faire ça avant. Ah merde! C'est chiant là. J'aurais plus besoin d'aller chez le sage pour préparer des trucs un peu plus sophistiqués. Ouais. Ça y est, t'as atteint mon niveau, c'est bon. Oh, oh non, non, je suis loin. T'inquiète pas, t'y arriveras un jour, Edge. Bah ouais. Le titanium, où c'est qu'on trouve du titanium? Ah, il faut bien interroger ton ordinateur de bord pour voir ce que les planètes ont dans le bide. Allez, bon, on va aller chercher le titanium, ça va être la quête pour aujourd'hui. Quoi? Wouah, une couronne de glace en guise de chapeau. Dans la vache. Ah, vas-y, le sage se prend pour la reine des neiges. C'est ça. Ah bah je suis content, tu dis ça, le blizzard s'est arrêté. Ah merde, je tombe sur des contrebandiers, des vilains. Ah chachin. Ah chachin de la police. Dans mon coffre, dans mon vaisseau, il y a tellement de tubes. Un petit tube de pixels. J'ai remarqué un truc avec certains combattants. Quand ils ont une arme de type épée, il faut leur faire croire qu'ils sont au contact avec vous au corps à corps. Comme ça, ils dégainent pas le flingue et du coup, ils vous attaquent jamais. Bon, faut pas qu'il vous fasse un sprint et un... ce qu'on appelle un dash. Oh, qu'est-ce qu'ils font là, eux? J'ai ça aussi... J'ai des humains qui font des analyses sur la planète de glace. C'est pas intéressant ce qu'il propose. Je suis navré, mais je passe mon chemin. Oula! Kizako. C'est bon ça! Coffre avec un module de vaisseau. Upgrade module. Oh non, c'est un ennemi. Le robot vapeur. Ça va, ils sont pas durs. C'est ça. Ahem. Pareil quand je l'ai vu. Ibi. Raté. Hihi. Et on est reparti. Je me suis fait instant exploser le mecha. Je vois que je suis dans des trucs de mon niveau. Ah! Bof. Enfin, on va pas se plaindre, mais bon. C'était une caisse avec du batouche dedans. J'ai vraiment de la roche de météorite.
en tuant un ennemi. Oh. Bah, t'as tué des météorites dans l'espace, non? Ouais. Et les petites météorites, là. Alors, pour ceux que ça intéresse, je suis dans une ville singe. Ah, mais c'est mon peuple! Ah oui. Voilà. Le peuple! C'est marrant de tuer les ennemis dans un vaisseau hostile avec la. Le mecha. Avec la fourreuse aussi. Alors moi je m'en sers, bah justement quand t'es dans l'espace et que t'as des ennemis qui te foncent dessus, tu mets ta foreuse en route. Mais oui, et du coup que... ça les repousse, du coup c'est cool. Ouais, plein. Est-ce que j'ai eu... On n'a jamais fait ça. USCM Neck Body. Vas-y, donne. Ah c'est un marchand ce mec. Ah ouais. D'accodac. Je peux pas leur prendre leurs caisses, mais je veux des caisses. Attends, j'ai pas du matos à vendre, moi. Tu bats tout le... Non, le vaisseau, tu peux pas les détruire. Tu peux le scanner pour récupérer plus tard. Pour imprimer plus tard. Ouais. Alors, faut que je me TP sur le sage. Là, je suis dans un environnement non hostile. Ou peu hostile, donc tu peux venir. Je suis en train de faire mes courses avec un marchand... Abusage. Oh, mais qui? Corps de match cyclope. Oh my god. Attends, il y a un truc que j'ai pas numérisé ou... de fourrure ultra rare, légendaire, veste de pilote, trop la classe, ça présente trop bien. Oh, c'est beau. J'ai eu le pantalon de pilote. Ça fait fourrure marron. C'est un pantalon noir avec des bandes rouges, je crois. Ah non, c'est pas le même modèle. Le pantalon de pilote. Bah, j'en sais rien. Là, j'ai eu la tenue du cyclope. On dirait que ouais, c'est un truc en fourrure marron avec le devant blanc. Ah, c'est une armure, la coiffe de rebelle. Oh la vache. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas l'appétit à fond. Donc je mange. Des tech cards, ce sera pour EJ. Diamant, c'est pour moi. On est que 75 dans mon coffre. Moi, je veux bien le diamant aussi. Hop, on peut repartir. Dans ta base, hein, toi. Waouh, du diamant dans leur caisse.
Ah, ça fait longtemps que j'avais pas une foreuse. Le bureau des mineurs, là, c'est pas possible. Oh, chapeau de cuisisto. La toque du cuisinier. Trop bien. Ah, est-ce que je l'avais le buste? Ah oui. J'avais pas leur armoire. Qu'est-ce que... Boda City Boxman. Alors, j'ai trouvé un chapeau. Accrochez-vous. Il est fait à partir, on dirait, de carton de déménagement. Mais c'est de l'origami, c'est plié. Il y a quelque chose, c'est stylé. Mais c'est en carton. Ton casque? Ouais. Ah oui, je l'ai aussi. Pardon. De toutes les fois que j'ai joué à Starbound, je crois que c'est la première fois que je le vois celui-là. Il dit rien. Oh! Incroyable. Oh, un cœur de téléporteur, ça fait plaisir. Bon, alors, ah merde. Une planète Terre qui a eu une ère glaciaire ou quoi? C'est tellement troublant. Bizarre. Oh, ils m'ont tué les salopios. M'attendez pas à mourir, Sniff. Dire c'est reparti pour un tour, mais cette fois-ci j'irai dans l'autre sens. J'avais pas vu le bas niveau. Ah. Et je clique là où il faut pas. Il y a trop de Pokémon. Qu'est-ce que c'est que cette planète? Là, j'ai des poteaux électriques dans un désert de glace. Vous êtes sérieux? Thank you.
Alors, stratégie, le morceau de viande que j'aime récupérer, je vais le cuire et le bouffer. L'intérêt d'avoir toujours un feu de camp sur soi, ça c'est un objet que vous pouvez pas perdre en cas de mort. Oula. 77 diamants. C'est une zone de pollution. Ah, chic, j'ai regagné un steak. Alors que sonne les midi, bonne popote si vous passez à table, bonne app. Merde, je marche dans les flammes. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Attends, là, faut que je pose un drapeau parce que c'est trop bizarre. Un, deux, trois, quatre. J'ai même plus quoi mettre comme nom. Oula, j'ai une espèce de crabe crâne aux yeux rouges. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça explose, ça. Oui. Oh putain, il y a des trucs qui dégagent. Enfin non, ça fait gicler les caisses alentour. C'est fou ça. Qu'est-ce que c'est que cette planète? Oh là là. Oh là là. Non, c'est pas un Pokémon qui t'aime bien celui-là. Ah bah, je vais arriver alors. Ouais, non, je l'ai tué. Ah, il faut attendre que j'en ai un autre. Mais là où je suis, ça pourrait peut-être potentiellement te plaire. Tous les deux d'ailleurs. Enfin, quand que je suis pas sûr que t'es le niveau Edge, attention. Je suis en niveau moyen là de difficulté. Oh, c'est possible que je l'ai pas. Hein. Mm. Ouais, avec le Mikhail là. Mm. Ouais, et encore avec le Mecha, c'est pas dit que t'en sortes. J'ai cuit les steaks. C'est ça qui est beau. Steak que je vais manger. Ah, j'avais même pas numérisé les bancs. Banc public, banc public. Ce sont d'horribles bancs dégarnis en métal rouillé, Burke. Je n'ai pas envie de s'asseoir. C'est limite si les bancs de la prison USCM là étaient pas mieux.
Ah oui, c'est les épreuves des hommes singes. Les labos abandonnés. Mais qui chiffre coule là le vendeur? Ouah, on envoie des choses dans l'univers. J'espère que je trouverai un... que dans l'eau il y aura encore une base avec du carburant. Pour que je refasse le plein. Parce que là, sur les 3000 que j'avais piqué dans la base des... d'un des gars à chasser, j'ai utilisé 2000 alors. Oh putain, le mec a la prime sur une planète volcanique. J'ai 21 000 de thunes, oui, je vais voxeliser tout ça. Ouais, 2006 moi. 2623 pour être précis. Des voxels de 10 000, j'en ai 12. Tout va bien. Je vais aller voir le sol tout de suite. Ah oui, alors je reste à proximité d'un Pokémon qui va te plaire. Regarde dans la grotte derrière toi. Il va peut-être te plaire ce Pokémon. Espèce de balle de feu ailée. Merci. Je vais vérifier dans ce que j'ai si je l'ai. Il est pas courant celui-là, je crois pas. Si, assez en vrai. Bon app, Funfan, à tout à l'heure. Non, je l'ai pas récupéré. Bah, y'en a un au-dessus là. Tiens, ça en spawn partout. Ah, je suis proche de ma zone de mort. Je reconnais bien. Bon, je vais retrouver un jour ou l'autre. Hop. On va faire de la chasse aux Pokémon un autre jour. Pokémon, attraper les. Oui, j'ai dit, ça marche pas le truc. Ouch. Heureusement qu'il était pas hostile. Ok. Je pars dans un sens et dans l'autre. Allez. Ah, pardon. Merde. Eux, ils vont me causer soucis. Encore que ça va. Je m'en sors plutôt bien dans mon exploration hasardeuse. Oula. Je dois pas être très loin du lieu de ma mort. Ma mort précédente. Apparemment les garçons vous êtes tous les deux concentrés parce que je vous entends plus. Ouais. Vous êtes à fond dans ce que vous faites, mais en mode tout le monde est endormi aujourd'hui, c'est horrible. On voit qu'on est rentré dans la mauvaise saison. Bah, je fais une quête de chasseur de plaine sur une planète de lave, c'est pas le moment de pas être concentré. Je conçois. Moi je cherche du titanium. Shibao. Une station d'échange d'armes. Oui. Allez, un méchant de capturer de plus. Je
La planète qui est plus grande que ce que je ne pensais. Merde. Ils sont tous sur des planètes volcaniques, hein, c'est pas possible. Oh! Alors, passe attention à ce piège-là. Vache, bonne récolte. Mais c'est bon, c'est fait. Tiens, un cœur de téléporteur. Ah, ça c'est beau ça. Écoutez, cœur de téléporteur, c'est ce qui est de mieux. J'ai le plus beau des cadeaux de la galaxie. Je commence à être dans la mouise parce que le niveau de bouffe est faible. Alors, le poulet. Voilà, magnifique. Oh, mais le mec, j'ai mis deux coups, il s'est enfui comme un lâche. Merde ! Deuxième service. Il doit y en avoir des affaires sur cette planète, je vous le dis, moi. Aïe, 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 aïe. Et encore, non, je suis bête parce que j'avais posé un drapeau, donc je peux faire un peu moins de marche. Ah oui, j'ai un biscuit, moi, savouré. Non, s'il y en avait un autre, c'est... Bon, c'était juste un mob à tuer. Juste à le rusher. Salut. Oula, il y a trop de Pokémon là. Oula là là. Oui, j'ai justement pour mission de tuer un Pokémon. Il est là, coco. Oh la vache, ils font des attaques éclairs, je me fais déboîter. Bon up, fan. Quoi ? Incroyable, l'autre s'est souvenu de ma localisation, je pensais que je l'avais grugé.
Mais il est moins débile qu'il n'y paraît. Il me donne du fil à retordre, le Pokémon là. Qui est d'ailleurs deux fois plus grand que moi. Oh non. Un Gigamon. C'est ça. Coucou. Oh là là. Pas déjà cette tenue là quelque part. Ah, elle est là. Salut Twisten. Oui, c'est bien. Espérons que tu sois ton confort, une scène. C'est pas la forme, hein. Tu devines qu'à la voix, que ma webcam est coupée parce qu'en PLS. C'est le samedi matin de la misère là que je suis en train de vous faire, je suis désolé. Je suis claqué. Ah, c'est une planète océanique gelée. Ah, c'est dur de faire des esquives. Non. L'îlot sur lequel je suis qui s'effondre dans la flotte, ça, ça pose légèrement problème. Et puis moi je suis condamné à retrouver mes affaires là. Commencer. Mais ta mort de la semaine dernière, du coup, t'avais retrouvé ou pas? Non, mais j'ai plus d'indications où c'est. Donc un jour, j'y reviendrai. Un jour, j'y reviendrai. De toute façon, en ce moment, j'ai des drapeaux sur les planètes où je suis mort. Alors, je peux que retrouver. Bonne cuisine, Christella, à tout à l'heure. Bon app, merci. A plus. Merci d'être passé, Christella. Oui, boire un coup, t'as raison. Sauvegarde, il est déchaîné, Twinsen. Oula, qu'est-ce qu'on a entendu là? Des extraterrestres essaient de nous contacter, petit chèvre. Bon, quelque part, je me réconforte en me disant heureusement qu'on n'a pas démarré ce matin Raft, parce qu'on l'aurait démarré de manière avec moi pitoyable. J'aurais été plus que naufragé. On n'aurait pas 4 heures à te faire du bouche à bouche, le sage. Je stocke les. Tu sais, les armes à projectiles, genre shuriken, tout ça là. Mm-hmm. Je m'amuse à les stocker, je dis j'en fais un stack, elles restent vivantes. Mm-hmm. Et puis je place des shurikens, et puis là je vois que ça fait un stack. Je fais ok. Oh. Et en fait, je regarde, mais non, c'était pas le premier scalable, c'était déjà le deuxième que j'avais. C'est beau! Waouh, je réquisitionne du pétrole. J'ai trouvé une nappe de pétrole. Bon, je l'avais négligé à mes deux premiers passages, mais là, je siphonne. Parce que finalement, du pétrole, il n'y en a pas tant que ça dans l'univers. Ça peut s'y vivre.
Il y a plein de cocottes mécaniques ici. Ça m'énerve. Quand tu prends cet accent-là, j'ai l'impression que t'imites Emmikrit. Oui, c'est pas le but, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent-là, mais... On a perdu Edge. En fait, je finis par soupçonner Edge d'être plus éteint que moi aujourd'hui. Il s'est endormi. Oh mon dieu. Ah, c'est ça qu'on a entendu. Il a dû être appelé par la famille pour le miam. Ah. Voilà le comment du pourquoi il répond. Je suis là. Ah bon, je croyais que t'étais pété à table. Non. Excusez-moi. Je peux me taper sur toi, AJ? Oui. Tu sais le dernier schéma de mecha que je t'ai filé, le sage? Oui. Je viens de le choper une deuxième fois. C'est bon. C'est AJ, ah, tiens. C'est bon. Putain, hop, 5 modules comme ça et 5 cartes ouais. Comme ça. Merci. Le mec, il dit merci en me tirant dessus avec son rocket à tête chercheuse. Hein. Ouais. Ça, je dis rien. Hein. De quoi tu parles? Je t'ai vu, le sage. Oh. Tiens, Mickey. Prends une armure du seigneur des enfers là. Waouh. Regardons les statistiques. Statistiques inconnues. Faut la mettre en skin. Oui, effectivement, il n'y a pas de propriété. Eh bien, c'est quoi ça? Ah oui, c'est ce que tu m'as passé. Je suis en train de lui dire, mais je sais que c'est. Je t'ai filé pantalon et torse. C'est bas, hein. Merci, monsieur. De rien, de rien. Oula! Avec le brouillard, le blizzard, j'ai passé un ennemi, mais. Même lui, il m'a pas capté en fait. Donc il m'a pas occasionné de dégâts alors qu'on s'est croisé. Il me reste combien de quêtes là? 3. Oh! Il m'a fait peur cet ennemi. Ok, de la falaise. Yeah! Une petite carte de 2 kilos. GG, Olive qui tue. C'est bien. Hop, 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 hop! Ah mince, je devais récupérer 2 trucs pour toi. Ah oui, mais j'attendrai que tu sois rentré chez toi. Alors, tu peux me rejoindre, petit Seb, parce que Pokémon rare, il y a l'espèce de. J'ai vu le machin en noir qui fait des flammes. Alors que normalement, il est pas censé en faire. Le machin. Le petit. Le, ouais, la petite boule qui saute là? Ouais. Je l'ai déjà. Ah bah bravo. Alors attends, je vais quand même venir vérifier. Parce que les monstres rares, comme on dit, ils sont là. Voilà, tu creuses, tu rentres dans la grotte et je l'ai vu. Si ah oui, ouais je le vois. Oui non mais du coup oui, je l'ai déjà. D'accord. Tiens, j'avais ça pour toi du coup. Paillon. Oui, on va sur une surface sur le plateau, oui, Mickey. Vas-y, vas-y. J'ai un peu pillé une base de... Oh, mais si, monsieur. Néon lampe poste. Juste un peu pillé, juste un peu. Bah écoute, j'ai capturé le méchant et j'ai piqué ses affaires. Mm-hmm. J'ai le droit, non? Oui, bah oui, oui. Encore trois personnes à capturer et ensuite je pourrais m'attaquer au boss final des chasseurs de primes. Wow. Bonjour messieurs, pigeon. Tu es Archie. Archie, t'es où? Et est-ce qu'il est Archie mauvais? Mais Archie, tu sais voler et tu sais mourir aussi. Voilà, plus que 2. Allez, à midi et demi, je finis ces deux-là. À 1h moins quart, je finis la quête des chasseurs de primes. Si tout va bien.
Moi, c'est mon ventre qui commence à gargouiller. Ah. Moi, à midi, je vais faire ça. Pizza et salade. Ça me fera du bien. Heureusement que je me suis fait des courses cette semaine pour encore me faciliter la vie le week-end. Ah, donc, là, ça moi j'ai mon frère, qui est venu à la maison et il fait chili con carne. Waouh! Le frangin qui cuistot, la classe. C'est bon. Pour qui toi? Oh oh, merde! Je me suis fait avoir par ma technologie qui s'est retournée contre moi et j'ai failli y rester à nouveau. Donc, alarme, bouffe, vite. Un autre pantalon du Seigneur des Enfers. Oh. Voilà, j'attends que ma vie remonte. Ah, je la joue stratégie, hein. J'en ai marre de me faire patater. J'y vais très prudemment parce que je vais récupérer mes affaires. Si je pouvais les récupérer avant 13h, ce serait bien. Avant la fin du direct. Du titanium sur une planète océan. C'est chiant. Ah, l'océan, il y a les poissons dedans. Achète un bateau. Le chasseur de primes difficulté extrême qui me sort quoi comme Pokémon? La version normale du spécial que t'as vu. D'accord. ça me rappelle moi. Dessus, j'ai même pas fait exprès, je l'ai tué. Tu me rappelles mon humiliation du week-end dernier dans Arx Fatalis. J'avais enfin déverrouillé mon sort, la possibilité d'invoquer un démon. Et je le teste immédiatement. Et t'invoques un démon en fonction de ta puissance de maîtrise de magie. J'ai généré une poule. C'est beau. Attaque c'est Picor. Beau. Attaque, lance ton 9 dans la gueule de l'ennemi. J'invoque des poules dans Arx Fatalis. C'est fait. Aïe, 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 aïe. Bon, faut que je descende là-dessous. Ah oui, il faut un bateau, mais j'ai pas de bateau. J'ai pas de bateau, je peux pas me déplacer là-dessus. Tu prends des blocs, tu mets des blocs à la surface de l'eau et t'avances doucement. Ah. Donc t'appelles Moïse, il va faire de l'océan et tu vas passer comme dans un corridor. Bonjour. Bonjour, c'est l'amour qui vient frapper à ta porte. Bonjour. C'est plutôt la mort, mais Ah bon. Ça me l'a fait aussi, Olive Kitus. C'était assez drôle, du coup. Créer un poulailler entier sur place, des portes de téléportation. Ah oui, effectivement. J'y avais pas songé, mais effectivement. Ah! J'ai trouvé l'endroit de ma première ou seconde mort. Reste l'autre. Ça me donne du baume au cœur. Ah, j'ai essayé 4-1, ça a pas marché. Pidu. Et si, quand je trouve le code, il me dit c'est 4-1, je pleure. Parce que ça, le jeu en est capable. C'est t'as pas encore le code, tu peux pas. Salut Aero. Comment tu vas? Oh, bonjour Aerostar. Salut Aero. Arrêtez les PNJ de jouer avec les portes, s'il vous plaît. Ah, les portes, ils sont redoutables. Moi j'ai une humaine que j'ai virée de ma planète parce qu'elle me claquait la porte toujours au nez. J'en pouvais plus.
Ah, j'ai trouvé l'endroit de ma l'autre mort. Merde. Ah merde, j'ai pas assez de place. Ah, j'avais tellement d'affaires que j'ai plus de place. Il te reste pas un drapeau? Si, si, il m'en reste plusieurs. Il me reste surtout des Pokémon qui vont me pourrir la vie, que je dois trucider instantanément. Voilà, ils sont morts. Le pire, c'est que je suis mort sur une tombe. Tout un symbole. T'es sûr? On n'est pas dans Terraria, t'es pas mort en créant la tombe? C'est ça, on pourrait croire. Mais vraiment. Encore un drapeau! Non! Je refuse d'être tué par un Pokémon volant, c'est honteux, alors que je pose le drapeau. Eh ben j'espère que c'est la forme pour toi, Aeroster. Merci à toi de nous rejoindre. Moi c'est pas la forme. J'ai un gros coup de fatigue, mais c'est horrible. Aujourd'hui je vais dormir debout. D'ailleurs je suis même content d'avoir le direct chez FunFan tout à l'heure à 14h. Parce que en basculant uniquement en voix off, en voix, je vais me reposer en même temps. De pas jouer et de me reposer à suivre l'action de FunFan, ça va me faire un bien fou et ça tombe au meilleur moment. Ah, je... oui. 11,98. Alors je vous dis tout de suite, hein, dès qu'on arrête Starbound, keep en à gogo. Je vous tiens au chaud en ma compagnie jusqu'à on file chez FunFan à 14h. Pardon. Alors moi, grosse fatigue à Aeroster. Je suis plus fatigué ce matin que dans l'état je me suis couché hier soir. Mon corps me dit stop. Mais à part ça, ça va. Toi, ça va bien, c'est cool, Aeroster. Qui pose la question à tout le monde? Et vous, ça va? Ça va très bien. Qui ça va très bien. Je vais finir ce que je voulais finir aujourd'hui. Du coup, je pense que on va pouvoir se faire du raft la semaine prochaine. Oh. Enfin, ça reste encore à voir parce que normalement il me reste encore le boss final. Oh, je suis un crétin fini. Je suis allé mourir. Heureusement que j'ai récupéré mon matos. J'avais tous mes lingots sur moi. J'avais oublié de les ranger dans le vaisseau. Le truc à pas faire. Oh. Je sais combien d'or sur moi. 5000, ouais, c'est bon. J'ai 120 000 en réserve donc c'est bon. 5000, c'est que dalle. J'ai 120 000 en réserve. Et même parce qu'avec le tout dernier méca, je peux plonger dans la lave, ça pose pas de problème. Waouh! C'est énorme. Oui, sauf quand tu veux en ressortir. Là, c'est plus dérangeant. C'est du tout cuit. Du tout cramé. Alors, le lieu de ma mort, suite, comme je suis vidé les poches, je peux rapatrier mes affaires. Mais je suis trop fort. Voilà. Donc, je suis déception. Parce que ça veut dire que sur cette planète, il n'y a pas ce que je cherchais. Il faut que je cherche une autre planète. Peut-être, et au moins t'es mort. Je balance, parce que c'est une bonne nouvelle. Tu seras Aeroster tout à l'heure. J'ai vu une alerte de Twitch. Il y a Recif qui faisait des tests d'émission. C'est bon signe, on va retrouver l'ami Recif. Espoir. Alors ça, faut que je te donne un sage. Ça c'est pour Edge. Ah, souci. Normalement, il me reste encore une quête et j'entends que ça commence à mettre la table. C'est pas bon. Ah. C'est pas bon aussi. On va se dépêcher. J'avais dit 30, c'est 33. J'ai 3 minutes de retard, c'est pour ça. Eh oui, le frangin finit de préparer le chili con carne. Oh purée, il y a les odeurs qui commencent à arriver. Oh punaise, ça sent bon.
Ne résiste pas, petit chef. Ah ah ah. Laisse-toi doucher dans le chien concerné. Je dis n'importe quoi. Ouah, comme tu dis, ouah, moi je me fais gambanguer. Non, le méchant final, c'est Asra. C'est. Tu sais, c'est celui qui balançait des trucs sur Mamie Nova là que tu battais dans le. Si. T'es sérieux? C'est le grand grand méchant de tous les méchants de des quêtes de prime. Apparemment. Wouah. C'est fou ça. En fait, s'il a les mêmes compétences qu'avant, je vais pleurer. Oh oh. Bon bah je vais vider mon inventaire. Hein. Faire mes voxels. Voilà. C'est en plus. Ça, ça va là. Ça, je le pense. Faut que je donne ça. Je vais le poser. Alors, est-ce que ça a poussé dans mes champs? J'adore faire l'inspection de mes champs en agriculture avec une toque de cuistot. C'est dans le thème. J'ai fait la culture du fermoir du terroir, moi, monsieur. Fermoir aussi, je ne sais plus. Il y a tellement de choses bizarres sur la planète. Oh, c'est beau ce que j'ai vu. Mes champs sont riches de délicieux mets à récolter et cuisiner et déguster. Je dis oui! Alors, ton estimation, on se déconnecte quand, là, du coup? Bah. Tu n'as plus d'estimation. J'ai l'impression que je me suis blessé au pied cette semaine. C'est étrange. J'ai dû faire une fausse manip. T'as fait la totale cette semaine. Ouais, mais c'est bizarre. Mais il faut que je me méfie. D'ailleurs, il faudra que je pense à pas faire l'idiot et à passer par la case médecin. Juste pour un contrôle de routine. Mais là, j'ai une sensation. Évidemment, je me demande si je me suis pas pété un petit os du pied, tu sais, dans la complexité du squelette humain au niveau du pied, au niveau fissuré, tu veux dire. Ça devient vraiment gênant là, parce qu'à la longue d'avoir un point de douleur. TP sur toi. Alors c'est pas un terrible point de douleur, mais c'est une gêne. Et constamment, c'est pas cool. Alors, ça, tu dois pas l'avoir, je pense. Essaye, si tu l'as, tu me le rends. Exodus Mechabody. Est-ce que je l'ai? Je ne l'avais pas. Merci, petit Seb. Hop, prochain arrêt, EJ. Oh, EJ aussi, il faudrait que je lui donne des trucs. Ah oui, tiens, je vais aller voir EJ, lui donner des trucs. Allons voir EJ, lui donner des trucs. Non, ça fait pas longtemps ma douleur au pied, ça fait deux jours, là, tu vois. Ah oui, César, oui. Je pense que c'est rentré d'une marche à pied. Et... bizarre, la douleur. Je voulais cliquer sur pour me TP, mais j'ai cliqué à côté de la touche du coup. Voilà. J'ai fait l'ânerie de. Une charge trop lourde. Enfin, je suis pas très raisonnable dans ce que je manipule et j'ai peut-être. Je suis peut-être esquinté bêtement. C'est triste. Waouh! Bonsoir. Magnifique. Ah oui, je vais te visiter là. Attends, ça c'est cadeau. Enfin, si j'y arrive. Mais attends, j'arrive à te les donner ou je deviens ma boule moi? Ah, c'est peut-être parce qu'il y a un plafond trop. Voilà. Au pied du lampadaire. Regardez-moi ce mépris. Tiens, ramasse. Non mais c'est l'interface du jeu, je peux pas faire autrement. Oh, 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 ce réflexe fait là. Ouais, joli dog. Alors, je suis déjà passé sur cette planète, mais je sais pas si j'y reste longtemps et ça pleut des grosses météorites. Oula. Oh, c'est incroyable, il a même des. Putain, t'as des statues que j'ai pas.
Si tu veux, il y a des coffres par ici. Hein. Si tu veux scanner certains coffres. Oh, Locas, merci. J'avais même pas ta bannière, tiens. Ouais, Locas, je te rends visite. Et puis, oh bien, mais il est doué. Bien joué. Bien joué, bien joué. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas. Musique. Je l'avais déjà. Pas de musique. Ah oui, c'est vrai, je peux entre guillemets numériser les végétaux. Ça aussi, c'est un truc de fou. Alors, c'est dommage que je vous zappe d'ailleurs ce qu'il dit parce que. Il dit les goûts en tant que glitch, en tant que robot. Eh ben, c'est beau. Merci. Content de t'avoir rendu visite. Je repars. Au fin fond de la galaxie. J'ai pas déposé mes lingots, mais je les ai faits, je les ai pas posés. Pareil. Alors, poser les lingots. Ici. Oui, t'es le fiston d'une aide-soignante à la retraite. J'ai eu des petits pépins au pied, je peux t'aiguiller. D'après ce que tu as dit, je pense que quand tu marches, tu appuies un peu trop sur le côté. Non, je dirais que la douleur, elle est centrale, si tu veux. Alors pardon pour la comparaison, mais je vais reprendre l'exemple de Jésus qui était cloué au pilori sur sa croix. Je pense que le clou était au même endroit au niveau de mon pied, tu vois. J'ai j'ai une douleur christique. Ça y est, le sage il se prend pour Jésus, on l'a perdu. Mais ouais, non, mais j'en parlerai un mot à mon médecin. Ouais, faudra que je prenne rendez-vous pour la voir. Et puis, alors, tu as appuyé trop au canton du pied, tu appuies trop souvent sur l'orteil. Je sais pas, c'est bizarre. Oh, c'est une planète que j'ai déjà visitée. Non, puis je pense que je vais avoir droit à la case podologue. Ah, c'est parce que j'ai pas tout mangé. Je me disais, mais il me refuse de... Je comprenais plus. Il me refuse d'aspirer de l'inventaire le sucre. Non, normalement, ma cage est de l'autre côté. Ah bah oui. Puis je continue de cueillir alors que mon inventaire est plein. Oh, la fatigue. Et eh ben il me le trouve pas, c'est quoi le délire? Non mais on va pas abuser là, il va être moi le cas. T'avais dit que t'allais manger à la demi. Merci petit Seb. Ah non mais attends, on m'a pas encore appelé et ah bon. Là je suis en train de chercher mon... La personne que je dois te défoncer là parce que. Toi t'as dit demande à Jésus de sortir de ton corps alors. Ou juste il faudrait peut-être faire des semelles effectivement. Ou alors demander un marteau pour retirer ce satané clou. Ah oui alors. Casse-toi le robot, tu gênes. T'attaque pas, bon je te laisse en vie. Bah bon, le jeu qui m'a refusé la récolte des cocons de merde, comment ça s'appelle? Cocon de soie. Ah oui, j'ai pas fait le tour des locataires. Ils ont des cadeaux à me donner. Attendez, j'ai l'inventaire plein là. Oulala. Minute papillous. Voilà, là je crois que ça ira mieux.
Ah, il m'a donné des fléchettes, il m'a donné de la thune. Alors, eux à l'étage, ils me donnent quoi? Ah, des graines de riz, bien. Oh, un coteau! Waouh, il m'a carrément donné ça, un instrument de musique de japonais. Au stylé. Ah ouais. J'ai des locataires géniaux, je les aime, ils sont merveilleux. Ce coteau, je vais te le voler. Et il me claque pas la porte à la gueule. C'est encore plus apprécié. Vilaine humaine! Beuh. Ah, j'ai plus de place pour le riz. Ah oui, oh, oh, j'avais oublié que je faisais une extension avec des champs extraterrestres, moi. Je suis même pas allé voir ça de la journée. Oh là 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 là, le mec qui a tout faux. Ah! Ouais, là aussi, il faudra que je fasse un métro et puis que bon, j'automatise là. Ah, un insecte que j'avais pas. Cool. Ah, c'est cool, suis... mais ça ne dit toujours pas où est l'autre. Je suis un idiot. Voilà. Que je récupère mon erreur. Désolé les gars, mais vous avez fait un village médiéval sur une planète volcanique. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je pense que vous allez avoir des problèmes. Oh le bois, ça brûle. Mais surtout que ça commence à pleuvoir du feu, alors... C'est vrai que c'est entre guillemets un bug du jeu. Oh non, sur cette planète-là, je trouverais pas mon bonheur, c'est pas possible. Mais bon, on va voir. Qui tente rien n'a rien. Je pense que je vais surtout me faire déboîter la tronche. Oula ! Extrême ! Je vais me faire déboîter. Je vais rester 3 secondes à la surface de la planète et je vais me barrer, juste pour curiosité. Voilà. On a eu 3 secondes d'une nouvelle planète qui fait peur. Ah, ça c'était la bibliothèque. Il n'y a plus que les murs en pierre. Oh, le reste a disparu. Oh, mais c'est que tu vas me tuer, le con. J'aurais pas dû t'approcher. Violage ! Je fais que me défendre. Je me suis dépêché moi avant de mourir. Hein. C'est beau. Putain, par contre, je le trouve pas ce putain de gars à capturer là. Oh, moi je me repose dans mon bar, dans mon vaisseau. Ouais, c'est une planète large alors hein, en plus. Un jour dans Starbound, je saurais faire des Irish Coffee. Bon, en passant par la gauche, ça marche pas terrible. Passons par la droite. Oh là là, les Pokémon que tu m'as offert. Le bordel dans mon vaisseau. Comme s'il y avait déjà pas le bordel chez moi. Oh, dégage. Toi... Je t'avais déjà, tu vas là. Pardon.
Ah oui, mais bien sûr. Il faut que je fasse un test. Ouais, bah non, pas aujourd'hui, parce que là j'ai plus le temps, mais il faudrait que je teste les doublons des bouquins. Et quand j'ai fait tous les doublons de bouquins, les passer à AJ. Qui est toute la page de données. Ah là 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 là. Espionnons petit Seb. Mais que fait-il? Je suis sur une planète difficulté extrême. Dans mon méca, en train de chercher le dernier. En train de chercher Asra là. Oui, mais c'est bien, t'as pacifié la zone, du coup je peux extraire des trucs que j'ai pas. C'est moche. Eh, hey, vole pas mon cristal! Bah, je peux prendre un cristal d'échantillon. Je plaisante, vas-y. Mais ouais, c'est une planète. En plus, et c'est le hasard, mais c'est une planète que j'avais déjà explorée et que j'avais conservée justement pour le cristal. Ah. Ça me plaît. Et puis je vais être vilain, je vais planter mon drapeau. Oh, c'est toi qui débarque, qui fait le ménage et c'est moi qui revendique derrière. Ouais, alors pas, t'oublies que chaque fois que tu reviens, les monstres ils respawn. Hein. Bah je sais. Et là j'écris, je suis un halo. Sauter là-dedans, moi. Oh la vache! Le cristal, il est dur. C'est une roche, mais alors? Waouh, c'est trop bien ça! J'aime bien les blocs cristaux. Je vais faire d'une jolie déco plus tard. Oh, je vois des choses. Merveilleux. Oh oh. Sous ses airs innocents, ce Pokémon volant est dangereux. Trucidez-le à vue. Ah oui. Oh la vache, les poches de lave de malade. Je suis pas la partie du fond, parce que la grotte a son charme comme ça, je trouve. Donc là, c'est la moitié. Moi qui ai tombé une pluie de météorite en surface, j'ai couvert quasiment tous les trucs de lave de terre. Ah. Alors je vais m'autoriser à parfaire ton œuvre. Moi j'avais une flaque de lave à nu en surface. Oh là là, je suis dans la mouise. Ah oui, non mais j'ai fait les gros lacs de lave, parce qu'avec le méca, les petits trucs, je peux passer à travers. Ah oui, alors vu comme ça. Oh, à ma grande surprise, j'arrive à patater l'ennemi assez aisément. Tiens donc. Finalement, je suis pas autant en difficulté que je ne pensais. Joie. Oh non. Bon allez, il est où machin là? Putain, mais j'ai fait tout le tour de la planète et il... Chaque planète... Mais il y en a combien dans le ciel des robots? T'es descendu du ciel? À l'infini. Ah non mais ça fait peur quoi. Il pleut des robots qui te zigouillent. Fini oui. Oh mon dieu, des arbres lave, veines de lave, incroyable mais vrai. Starborn l'a fait. Quelle aventure.
Oh oh. Oh, ici il est pacifiste le Pokémon là. Oh le bonheur. Eh ben je le trouve pas, j'ai fait tout le tour de la planète. Oh. Pardon. Oh, le décor de fond de la planète de lave est redoutable. Ouh là là ! Oh, ce volcan ! Il m'a quasiment tué, l'autre gros vilain. L'autre gros vilain de l'espace. Ferme pas la porte. Tenez, abruti. Ta santé est bien basse, le sage. Exact, merci. Je me régère tout doux avec de la bonne bouffe. C'est ma barre de pain qui est bien basse. Bon, là, je, bon, bouge, bah, je vais abandonner. Oui. C'est malheureux, hein, il me reste un seul perso à tuer et je le trouve pas. Eh bien. J'espère que ta quête est pas buggée. Parce qu'il peut y avoir des bizarreries parfois dans Starbound. Comme il y a pas mal de générations aléatoires. Peut-être dû au fait que j'avais déjà visité la planète, ça se trouve. Ça a pu faire bugger des choses. Oh. Je vais m'arrêter là puisqu'on m'a appelé pour manger. Bah, retour au bercail. Ouais, bah c'était cool, merci. Je me qu'on a pas fini. J'ai pas. Pour une quête, ça me fait chier quoi. La prochaine fois, je vais revenir, je vais TP sur la planète, ça va trouver tout de suite, je vais le tuer, ça va me prendre 5 minutes, je vais pleurer. Ouais, bah oui. Ah, je chatting, on va faire les clips à gogo. J'ai mis ma... Ça faisait longtemps que j'ai pas mis le chapeau sanglier. Mais comme il commence à faire frisquet, je suis content de l'avoir sur le crâne dégarni. Attendez, je vous prépare la compil de clip. Et le mec qui insiste pas, je suis en train de me refaire un tour vite fait sur la planète. J'ai gagné 2 succès d'ailleurs aujourd'hui. T'es bien. Ouais. Forger un. Comment, obtenir un set entier d'une armure, parce que j'ai forgé une armure. Oh. Et tuer 100 petits monstres volants. Oh. Comme il y en a qui spawn un peu partout dans ma base, vu que j'ai pas entièrement fermé. Enfin, tout fermé, je veux dire. D'accord. Mais il y en a qui spawn. Tu l'as bien vu, je saute. Paf, je mets un coup. Voilà. Bon, bah merci pour la session de jeu. Merci AJ, merci petit Seb. Pardon d'être complètement raplapla aujourd'hui. Oh, t'inquiète. Je crois que de ce 19e épisode, de tous les épisodes, j'ai été le plus mauvais là. C'est horrible, je suis dodo. Oh là là, et ça va être comme ça toute la journée, sniff. C'est comme ça, c'est la vie. Ah, je suis bien content de pouvoir me divertir en votre compagnie. Toulou.